Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel AEW Pod. Et je suis évidemment en compagnie de JMD. Comment tu vas cette semaine? Eh bah très très bien mon cher Ina, comment vas-tu? Bah écoute, moi je vais très bien. Nouvelle grosse semaine pour les Wrestling, on se rapproche de la août. Ce sera la semaine prochaine. Alors comment on fera d'ailleurs pour la août hein, vous posez peut-être la question. Enfin comme pour la dernière fois, donc on fera le pod qui sortira du coup le samedi soir. Ça va être galère parce qu'on devra tourner le samedi. Enfin et ensuite mettre. Non attends. Si on devra tourner le samedi. Ah bah non, on pourra le sortir dimanche. Non en fait c'est bon, ça change rien. Ah oui, le pay-per-view le dimanche. Bah oui, donc oui. En fait, oui. Il faut qu'on s'habitue à ça. Le pay-per-view le dimanche chez All Elite, c'est assez rare. Après, donc... après, c'est exceptionnel, il me semble. Hein. Ils vont retourner au samedi, il me semble. Ouais, je pense. Donc, non, semaine prochaine, ça changera rien. Ce sera juste qu'il y aura un pod bonus en début de semaine où ce sera uniquement la review d'All Out. On reviendra peut-être sur des news et sur vos commentaires. Et justement, vous pouvez, je vous rappelle, réagir avec le hashtag AEWPod ou sur YouTube. On vous lit en début d'épisode, et Joachim sur Twitter qui nous dit donc @joe-6wrestling, c'était un magnifique retour pour CM Punk. Évidemment, on a vécu un moment historique, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Merci à Tony Khan et à AEW pour avoir réalisé cela, mais désormais, vu que CM Punk est chez AEW, pourrons-nous voir sa compagne AJ Lee le rejoindre? Cela serait un plus pour la division féminine d'AEW. Bon ben oui, AJ Lee, je pense qu'il y a possibilité qu'elle revienne un jour. De toute manière, depuis moi, j'y crois pas beaucoup. Pour le coup, moi, je suis plus croyant dans le sens où, je sais pas si t'as vu récemment, t'as eu des commentaires de Britt Baker qui ont tourné, disant qu'elle voulait affronter AJ Lee, que c'était une grosse fan d'AJ Lee. Et qu'elle voudrait également, pourquoi pas un jour, voir elle et Adam Cole contre CM Punk et AJ. Ça va aller, ça. On s'en passera. Oui, on s'en passera de celui-là, mais en vrai, quoique. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Sur Instagram, d'ailleurs, AJ Lee qui a avoué qu'elle était elle-même aussi une fan de Britt Baker. Je pense que. Je sais pas si elle fera un retour full-time, mais au moins un one-shot contre Britt Baker, je pense que c'est réalisable. C'est un qui a fait une dédicace d'ailleurs à AJ Lee lors de sa promo lors de Dynamite, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Mais moi AJ Lee, c'est une catcheuse que je trouve quand même très surcotée. Hein, c'est juste que c'était une bonne catcheuse à l'époque des Divas. Et à l'époque des Divas, des bonnes catcheuses, forcément, il n'y en avait pas tant que ça. En vrai, il y avait qu'elle. Ouais. Au moment où elle était là, en vrai, il y avait qu'elle qui était bonne dans le ring. Ce que j'aime surtout chez AJ Lee, c'est son micro. Oui, bien sûr. Franchement, ouais. Mais après, dans le ring, on va pas se mentir, c'est pas non plus extraordinaire. Et elle, tu vois, là, j'ai beaucoup plus de doutes si AJ Lee revient sans avoir catché depuis, vous savez combien de temps, elle. Elle est partie en 2015, 6 ans. Donc ouais, là, j'ai bien plus de doutes sur une AJ Lee qui avait pas des capacités dans un ring extraordinaire. C'était une bonne catcheuse, hein, mais qui avait pas des capacités dans un ring extraordinaire. J'ai beaucoup plus de doutes que j'ai eu de crainte pour Edge ou pour CM Punk. Après, tu vas me dire, genre, dans son run chez Drew, je pense aussi c'est qu'elle n'était pas aidée par le niveau de la division. Oui, bien sûr. Tu vois, donc je pense qu'une catcheuse comme AJ Lee, tu vois, pourrait très bien réussir chez Drew, dans le sens où les catcheuses AEW sont bien meilleures que la division des Divas. Bon, à certaines exceptions près, mais quand même, c'est clairement le cas. Et je pense contre des Britt Baker, enfin. Quoique, peut-être pas Britt Baker, mais genre des Hikaru Shida. Non, mais ce qui est sûr, c'est que si AEW a l'opportunité de signer AJ Lee, il faut la signer parce que c'est une fille. Oui, oui. Parce qu'elle a du star power quand même. Hein. Voilà, beaucoup de star power. C'est une fille que beaucoup de gens adorent. Une catcheuse que beaucoup de gens adorent. Qui a un vrai charisme, qui a un vrai truc, qui a un vrai micro, qui est plutôt décente dans un ring. Et qui a vraiment marqué, mine de rien, une génération. Alors qu'elle est restée que très peu de temps, hein, AJ Lee, il faut aussi rappeler ça. Donc oui, moi je suis pour, ce serait un plus, évidemment, surtout pour cette division féminine qui a besoin de star power. Ouais. Dixer sur YouTube nous dit « Darby Allin a une carrière incroyable. C'était un nobody il y a 3 ans et aujourd'hui il est à traîner avec Sting et sera le premier adversaire de CM Punk depuis son absence de 7 ans. » C'est fou. Se dire ça effectivement, ce sera. C'est huge. Il était même SDF, non? Il était SDF même. Oui, c'est. Il dormait dans sa voiture. Alors, moi, Darby Allin, les gars, je le suis depuis.
qu'il a 6 mois de carrière. Moi, je l'ai découvert, il avait 6 mois de carrière. Donc, je le connais. Checker le thread sur le compte Twitter de Rivna. Oui. Normalement, il y est l'extrait. Tu oui. découvres Darby. Ouais. Oui. Je vais vous dire, le premier combat de Darby Allin que j'ai vu, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, je connais vraiment sa carrière par cœur et il fait partie de ces mecs qui ont évolué, mais d'une. C'est fou la star qu'il est devenu en si peu de temps. Évidemment, il est aux côtés d'MJF. C'est pareil pour MJF que je suis depuis le tout début de sa carrière. Donc c'est fou l'évolution de Darby Allin qui est devenu une star. Mais d'ailleurs, même chez Elite Wrestling, quand tu regardes, il y a juste en 15 minutes ce combat contre Cody Rhodes lors de Fighter Fest 2019 qui ouais. l'a propulsé directement, où il va faire un time limit draw. Et puis après, sur le premier Dynamite, il bat Jimmy Havoc pour devenir challenger numéro 1 au titre Elite Wrestling. La semaine d'après, il affronte Chris Jericho dans une street fight. Et c'est bon, là, il était over dès le troisième Dynamite, le mec était une star. Et ça n'a pas bougé depuis, ouais. ça ne fait qu'augmenter, quoi. Donc, respect pour ça. Moi, Darby Allin, alors j'ai découvert, j'ai un truc, vous savez que je suis un psychopathe avec mes documents Word, etc. Darby Allin, le premier combat que j'ai vu de lui, c'était le 24 février 2017, du côté d'Evolve, et c'était face à un certain Austin Theory. Voilà. Que je suis également. Tu as découvert en même temps ? Ouais, du coup, ouais, j'ai découvert les deux en même temps, du coup. Voilà, ils ont une histoire assez fascinante et j'adorerais qu'Austin Theory pour vous raconter un peu l'histoire des deux, pour faire court parce que l'histoire est incroyable. Ils ont commencé leur carrière en même temps, ils ont percé en même temps chez Evolve. Austin Theory est devenu une énorme star d'Evolve. Il a été champion Evolve, champion Full Impact Pro, champion World Wrestling Network, il n'a pas été champion Evolve, pardon, champion World Wrestling Network et champion Full Impact Pro. Donc c'est devenu une grosse star du côté d'Evolve. Et il avait cette feud avec Darby Allin. Et en fait, le truc, c'est que Darby Allin, il gagnait jamais de titre. Il avait toujours des super combats, il avait des gros adversaires, il avait affronté Walter, je sais plus qui il avait affronté dans les guests WWE, je me demande s'il avait pas affronté All Velvet in Dream quand il était venu chez Evolve. Qui Darby ? Darby ? Ouais. Il me semble si... Je crois que oui. Ouais. Mais voilà, il avait. Putain, par contre, Darby Allin Walter, faut que j'aille voir. Ouais, ça, la vache! Donc en gros, il avait les gros matchs, mais il avait pas le palmarès. Austin Theory défonçait Darby Allin en termes de palmarès. Il y a eu ce show qui était diffusé sur le World Wrestling Network, le WWE Network, pardon, qui était le show, le centième Evolve, et qui avait beaucoup fait parler avec Paulie Mann qui avait serré la main d'Austin Theory. Donc en fait, Austin Theory était devenu la grande star et Darby Allin, bah, il main eventait, il faisait des super combats, mais il avait rien niveau palmarès. Sauf que aujourd'hui, Darby Allin est une énorme star et on embrasse Austin Theory. Mais l'histoire des deux est folle et je rêve de voir Austin Theory débarquer un jour chez Elite Wrestling parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Les mecs, ils se suivent depuis le début de leur carrière. Vraiment, ils ont commencé en même temps, à la même promotion. Enfin, c'est fascinant. C'est très intéressant, mais c'est vrai que Darby Allin, c'est fou quand même de se dire que ce sera le premier. Si on m'avait dit ça, mais c'est fou quoi. Encore une fois, j'adore me dire, le catch évolue tellement vite. Imagine, il y a 3 ans, on te regarde et on te dit, le premier adversaire de CM Punk là, quand il va revenir en 2021, ce sera Darby Allin. Bah, moi je te réponds qui ? Déjà. Sur tout ça. Déjà, qui est ce mec ? Et pourquoi ? Enfin, tu sais, c'est fou, le catch, ouais, c'est trop bien parce qu'il n'y a rien qui évolue plus vite que le catch. Même le foot, ça évolue hyper vite, mais pas autant que le catch. Le catch, en 2 mois, il peut se passer tellement de choses. C'est fascinant, quoi. Quoique, en l'espace d'une journée, hier avec Cristiano Ronaldo, voilà. Mais ouais, ça évolue tellement vite. Ça évolue tellement vite. Alors, il continue en disant je pense que Jurassic Express vont gagner le tournoi et battre les Bucks à All Out. Bon, c'est plus facile pour nous maintenant, forcément, qu'on a vu Rampage. Ils auraient pu gagner sans l'intervention de l'élite. De plus, une défaite des Lucha Bros pendant le tournoi donnera raison à Andrade, donc un heel turn des Lucha Bros. Andrade, Phoenix et Penta, Los Ingobernables des AEW. J'aime bien la théorie. J'aime bien la théorie, ça me plaît. Ouais. Même si je suis trop amoureux du Death Triangle. Je préfère un trio Death Triangle qu'un trio Andrade Lucha Bros. Même si Andrade Lucha Bros, ça me plaît beaucoup. Mais De même. Et après, genre honnêtement, Lucha Bros, Young Bucks, Steel Cage match, les dingueries qu'il peut y avoir, tu vois, comparé au Jurassic Express, voilà. Moi, j'ai envie de voir Phoenix littéralement mourir dans ce match.
On en reparlera tout à l'heure. On fera une. Non, on Ouais. fera pas la preview de All Out, du coup. Ce sera la semaine prochaine. Parce que c'est. All Out, c'est la semaine prochaine. Même si la carte est déjà complète. Enfin, après Rampage, du moins. Ah, et pour le finish de Jericho MJF, je pense que si Jericho portait le Jonas Effect, la cloche aurait immédiatement retenti le match. Ce serait terminé. Alors, on en a parlé la semaine dernière de ce truc où Jericho Ouais, mais qui. c'est con. Jericho qui va mettre un coup de batte de baseball dans le dos d'Aubry Edwards. Et il va se dire, oh Ouais. non, merde, par contre, je peux pas faire le Jonas Effect. Alors, je suis d'accord avec le fait que peut-être la cloche aurait immédiatement sonné, mais qui fait sonner la cloche? C'est l'arbitre. Oui, c'est ça. C'est genre, si le timekeeper sonnait la cloche au moindre fait interdit, tu vois, il aurait déjà sonné la cloche au coup de batte. Voilà. Or, ce n'était pas le cas. Tu vois? Alors, ce serait Voilà. débile qu'il sonne au coup de batte, mais pas au Judas Effect. Bon, je reviens à ce qu'on a dit la semaine dernière. C'était clairement un problème de timing. Et bon, on va les pardonner pour ça, mais du coup, ça a juste rendu Chris Jericho stupide. C'est tout. On parlera de Chris Jericho et MJF. Et Dante Obi qui nous dit: pour ma part, je vois pas comment AEW va se passer d'un MJF champion pour les mois qui vont venir. Il est maintenant sur la rampe de lancement. Je comprends l'attachement qu'a le public pour Adam Page, que je partage, mais à côté de MJF, Page est un ton en dessous pour faire un run avec la ceinture. Alors, ce qui me fait rire, c'est ce qui va se passer avec MJF pour All Out. Forcément, nous, on a. Voilà, c'est des commentaires qui datent de la semaine dernière. Mais c'est drôle de voir ça, tu vois. Encore une fois, le catch arrive tellement vite. Mais on reparlera de ça, mais j'ai peur pour MJF. Donc, oui, Adam Page a un ton en dessous pour faire un run avec la ceinture, promo, utilisation des réseaux sociaux, et je me risque à dire in-ring. Les runs de ceinture d'AEW sont des runs longs et il n'y aura pas la place pour un règne court, ça n'existe pas, les mallettes à AEW. Il est complètement mûr et il est temps qu'il porte la compagnie. Je suis parfaitement d'accord avec toi sur MJF. Là où je suis moins d'accord, Dante, il faut des règnes courts. Oui, il faut des règles de cour pour On une peut ceinture, pas, on peut évidemment. surtout pas avoir des règnes uniquement comme on a eu là avec Jericho, Moxley, Omega. Peut-être encore pendant 1 ou 2 ans, mais au bout d'un moment, faudra pour souffler, il va falloir un règne court. C'est obligatoire. C'est vraiment. Même regarde, le championnat par équipe, il a FTR, ça a duré, je crois, de tête 63 jours. Le TTNT, avec les circonstances qu'il y a derrière. Cody Rhodes, c'est le deuxième règne qui est le plus court. Du coup, Je dirais même Brody Lee, le run le plus court. Brody Lee, Hein, ouais, donc, voilà, et Cody Rhodes, avec un deuxième règne assez court, mais c'est vrai que Brody Lee, mais c'est avec les circonstances qu'il y a eu, bon, je pense que le règne aurait dû durer un petit peu plus longtemps. Mais là n'est pas le débat. Mais en tout cas, voilà, c'est. Mais quand même, alors perso, pour revenir vite fait à ça, j'aime bien quand même avoir dans le palmarès du titre certains règnes, tu vois, qui durent 7, 14 jours maximum, tu vois, histoire de bien faire de 1 soit fonctionner storyline et de 2 mettre des faits marquants, tu vois, et également pour prouver également que tout peut se passer. Oui, Moi c'est je pars ça. du principe que c'est bien de, tu vois, faire les changements de titre en pay-per-view prestige, tout ça tout ça, mais après les gens vont se désintéresser de weekly, surtout qu'il y a que 4 pay-per-view, tu vois le délire. Genre faire des changements de titre en weekly et du coup faire des reigns courts, si on part du principe que le changement de titre a été déjà fait en pay-per-view. Moi, je trouve que ça serait un bon petit changement. Mais après, bon, ça, pour Ouais, non, l'instant, mais les raids ne me dérangent pas, mais. moi, je pense que il faut absolument un règne court dans les prochaines années, là, quand je dis prochaines années, c'est 1 ou 2 années à venir, hein, pour les Wrestling. Oui, c'est sûr. Et Ouais. qui mieux que ça, qui mieux pour avoir un règne court qu'Hangman Page? Tu vois, Ouais. Dante, toi, tu dis que Ou Hangman Ray est. Phoenix. Ou Ray Phoenix. Oui, Ray J'aimerais bien Phoenix aussi. avoir. Mais après, dans la storyline, vaut mieux que ce soit Hangman Page. Ray C'est vrai. Phoenix, il a le temps, il est très jeune. Bon, Hangman aussi, mais Hangman, là, il est dans. Enfin, Ah, il est d'ailleurs, tellement je jeune. me demande, il a quel âge Phoenix? J'ai checké Oui, il a à rapidement. peine 30 ans. Donc tu vois, D'accord. Dante, tu dis qu'Hangman n'est pas prêt. Bon, moi je suis pas d'accord là-dessus. Ou du coup, moins prêt qu'MJF, ça j'entends. Mais on a émis cette théorie, du moins quelque chose qui nous plairait énormément. Moi je rêve de voir un Hangman Page enfin battre Kenny Omega. Le public est en Et délire, on est puis, trop content. 5 jours plus tard, il perd contre MJF en Et weekly. puis ouais, le weekly d'après ou 2 semaines après, MJF qui bat Hangman Page pour là partir sur un règne long. Tu continues à construire un Hangman Page. Éternel loser en soi. Ouais. Et quand le Et là temps c'est sera pertinent. bon, tu lui donnes le titre Faut pas contre non plus MJF. faire un règne court pour faire un règne court. Mais là, Ouais. c'est du pain béni que donner un règne court à Hangman Page. Je trouverais ça très pertinent. Maintenant sur MJF, tu sais, Dante, que on est absolument d'accord. Mais on en reparlera tout à l'heure, Dante, parce qu'on a un petit peu peur pour MJF, mais évidemment qu'MJF. Surtout toi. Oui, mais évidemment qu'MJF a les épaules
aujourd'hui, peut-être plus qu'un Hangman Page, effectivement, même si je trouve qu'un Hangman Page a aussi les épaules. Maintenant, pour un règne long, MJF a bien plus les épaules. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure lors de la review de Dynamite. JMD, passons aux news. Les news de la semaine. Il y a pas mal de news qui sont sorties. Alors. Surtout sur un mec, j'ai l'impression. Oui, ça on en parlera à la fin. On le garde pour la fin, parce que c'est quand même plutôt stylé. Alors, ça concerne pas Elite Wrestling pour commencer, mais indirectement. Impact Wrestling aurait signé un certain Braun Strowman. Alors là, mais signez-le autant de fois que vous voulez, mais vraiment, pour faire, vous faites Braun Strowman Big Cass, ça va être super. Oh là là là! Non, mais les mecs signent Big Excuse-moi. Cass et Braun Strowman, quoi. Putain, c'est vraiment des malades. Bon, signez-le, en plus, il doit demander tellement cher pour. Mais pourquoi? Oh là Oui, là. non, c'est sûr qu'il demande cher, hein. Mais Impact Wrestling, vraiment, vous avez un QI négatif, quoi. Quelle idée de signer Braun Strowman, quoi. Braun Strowman? Qui veut signer Braun Strowman? Non, mais. Je comprends pas comment tu veux signer ce mec. Franchement. Big Cass, parce que Braun Strowman, tu vois, ancien champion mondial de WWE. Putain, mais quelle phrase! Braun Strowman, ancien champion mondial de WWE. Bon, bref. Par contre, là où c'est intéressant, c'est pour Buddy Murphy, qui sera renommé Buddy Matthews. Et là, par Ouais, contre. intéressant, bon. Oui, alors, intéressant Intéressant dans. pour eux. Oui. Buddy Murphy chez Impact Wrestling, c'est. Alors, c'est plus qu'une déception, c'est incompréhensible, je dirais même. Non pas pour le choix de carrière de Buddy Murphy, mais par rapport aux vidéos qu'il nous a proposées les dernières semaines, là. Enfin, c'est clairement. Tout est relié à Malakai Black. Enfin, c'est clair, c'est explicite. Enfin, c'est pas du sous-texte. Enfin, c'est dit, quoi. Tu vois, enfin. Ouais. Et finalement, il va signer chez Impact. Alors, attention. On ne sait pas encore. C'est les dirt sheets qui rapportent ça. Rien n'est encore. Ah, c'est les dirt sheets. Il y a une vidéo qui circule où t'as littéralement Scott D'Amore qui dit on va signer Buddy Matthews. Oui, bon, après, il y a Scott D'Amore, quoi. C'est quand même un haut placé d'impact. Mais là où ça fait mal, c'est. Alors, moi, je suis un fan absolu de Buddy Murphy. Franchement, Impact Wrestling, vous savez que j'aime pas du tout ce qu'il propose. Je trouve que ça remonte un peu la pente depuis quelques temps. Mais il y a toujours des choses qui sont impensables à booker, même si y a, en fait il y a toujours des choses qui me plaisent chez Impact, mais ça va jamais jusqu'au bout. Enfin, ça a toujours été ça avec TNA, et ça depuis des années et des années. On a des bonnes idées, mais on ne sait pas comment faire, on sait pas. Enfin, en fait, c'est ça le problème. Et oui, quand je vois Buddy Murphy signer chez Impact, moi je rêve d'un Buddy Matthews contre Ace Austin, d'un Buddy Josh Murphy Alexander. contre Josh Alexander, d'un Buddy Murphy. Surtout que t'as Alexander, c'est je pense le seul bon truc d'Impact actuellement, le règne de Josh Alexander en tant que champion de division Il y et voir un a, Buddy ouais, Matthews contre Josh il y a des Alexander, c'est trucs pas trop mal. cool. Il y a, bon, bah là, Christian Cage, depuis qu'il est devenu champion Impact, c'est plutôt intéressant. Il y a deux, trois trucs cool qui se passent, mais ça va Au jamais. long terme, c'est bizarre, quoi. Et puis, voir Buddy Murphy faire ses débuts, faire son grand retour qu'on a tant attendu dans un garage devant 200 personnes, ça me fatigue au plus haut point. Donc, je suis dégoûté, pour être franc. Parce que après, c'est pas encore fini. J'ai toujours une lueur d'espoir. De le voir débarquer aux alentours de la août. On sait que la clause se termine 31, le 31 août. Mais tu vois, pour un Daniel Bryan, pour un CM Punk et pour même une Ruby Riott, tu vois, Daniel Bryan, CM Punk, c'est des mecs. Bon, les dirt sheets, ils vont sauter sur l'occasion pour annoncer qu'il y a un contrat. Ruby Riott, on le sait, elle a quasiment signé avec Elite Wrestling. Et il n'y a pas eu cette news-là avec Buddy Murphy. Après, attention, il n'y avait pas une news pour Malakai Black non plus. Donc ça ne veut Ouais. rien dire. Après, genre, tu vas me dire, Buddy Murphy pourra toujours faire ses débuts chez All Elite, même s'il est fait aussi chez Impact. Tu vois le délire? Oui, il y a toujours ce truc-là, mais bon, c'est toujours. Il sera juste pas la propriété de Elite Wrestling, c'est Oui, tout. et puis ce sera, voilà, ce sera du one shot, il sera jamais mis en avant comme on aimerait qu'il soit mis en avant. Bon, ça peut être comme Good Brothers, hein. Ils sont là Non, non, régulièrement chaque ce semaine. sera jamais pour les Good Brothers. Comme les Good Brothers, c'est les seuls, je pense, qui bénéficieront de ce truc d'être là chaque semaine. Pourquoi? Parce que AEW, ils ont fait ce partenariat avec Impact pour les Good Brothers à la base. Donc genre, c'est ceux qui ont le droit, quoi. Mais je pense qu'il y aura personne qu'on verra débarquer chaque semaine à Dynamite, vraiment chaque semaine, depuis ça fait longtemps, les Good Brothers maintenant.
Et Buddy Murphy, s'il apparaît sur les tracing, ouais, c'est une ou deux fois, mais bon, c'est pas ce qu'on veut, voilà, on veut le voir signer. Encore une fois, c'est bien beau ce truc des portes interdites, c'est bien beau, on est content de voir tout le monde travailler ensemble, mais les catcheurs, quand ils sont signés dans une compagnie, quand ils sont signés chez Elite Wrestling, même s'ils peuvent apparaître chez Impact pour la déconne, bon, bah, c'est Elite Wrestling qui a le dernier mot, et inversement pour Impact Wrestling, et inversement pour New Japan. Donc Buddy Matthews, excellente nouvelle pour Impact Wrestling, évidemment. Moins bonne nouvelle pour nous, parce que effectivement il y a beaucoup de choses à proposer avec Buddy Murphy. Il y a des combats qu'on a envie de voir du côté d'Impact Wrestling, mais Impact Wrestling, c'est pas un produit qui me plaît, vous le savez, et ils ont un super roster, mais ils savent jamais trop quoi en faire. Ils vont se faire chier à recruter Big Cass, Noé Hosé et Aiden English. Enfin, ça n'a pas de sens, alors que t'as un mec comme Jake Something qui a aucune opportunité depuis des mois et des mois. Il a eu une opportunité au titre X Division de récemment. Ouais, d'ailleurs, que je vous reconseille. Je vous conseille le match. Ouais, il faut que je le voie. Apparemment, il est fou. Ouais. Moi, j'ai vu un Alexander Something sur le circuit indépendant, la AAW, très récemment. C'était plutôt chouette. Mais, parce que tu dis Alexander Something, on dirait que t'as oublié le blaze du mec. C'est trop ouais. drôle. Ouais. Celui-ci, ouais, Impact, apparemment, il était très bien lors de Emergence. Faut que je regarde Emergence, parce qu'apparemment le main event Christian Cage, Brian Myers, c'était... Le main event, est pas... alors j'ai juste vu trois matchs pour faire vite off. Le number one contenders match était bien mais court. Le main event était surprenant, plutôt bon. C'est du 3,5 pour moi. Et le Jack Something, Josh Alexander, il est à recommander. C'est pas un must-see non plus, hein, mais c'est le match à soirée de sûr. C'est le match à soirée de sûr, un bon 4, je dirais. Voilà. Mais en tout cas... JMD, toi, sur Buddy Murphy, quel est ton ressenti? Ouais, je suis forcément déçu. Parce que je me dis pourquoi Impact Wrestling. J'arrive pas, en fait, à trouver une bonne raison valable. Surtout, oui, comme tu as dit, les vidéos, les vignettes, ça a pointé clairement Elite Wrestling. Enfin, pas Elite Wrestling, mais Malakai Black. La seule raison, c'est que AEW ne lui ait pas proposé de contrat. Mais franchement, je pense pas. Je ne pense pas. Non, je pense pas. Quand Kenny Omega est l'un de ses admirateurs, quand Kenny Omega est un admirateur de ton travail, je pense que si t'es libre, AEW te propose un contrat. Ça m'étonnerait que Elite Wrestling n'ait pas proposé un contrat. Peut-être aussi, il a signé deux contrats, hein, Impact Wrestling, hein, chez Elite, je sais rien. Ou alors, il a pas signé exclusivement, peut-être. Ah, peut-être, on peut-être. Sait pas. Parce que, alors, c'est pas, alors, l'une des raisons pour lesquelles il aurait peut-être signé chez Impact, c'est le nombre de dates sur le circuit indépendant. De dates, oui. Nombre de dates et puis la thune aussi. Le nombre de dates, si tu divises en dollars par littéralement show et apparition, tu te mets bien chez Impact, tu vois le délire. Donc, Parce que AEW laisse les mecs travailler sur le circuit indé, mais forcément beaucoup moins, parce qu'il y a beaucoup plus de shows. Impact, c'est des tapings. Donc forcément, les mecs ont le temps d'aller sur le circuit indépendant. Bah, c'est pour ça que t'as beaucoup de stars d'Impact, genre qu'ils ont 30 dates dans leur contrat, 30 dates par an. Je sais que le contrat des Good Brothers, c'est ça, hein, c'est 30 dates par an. Ils vont jamais les atteindre, les 30 dates. Pourquoi? Parce que les tapings, ça dure aller sur 3 jours. En moyenne, ça dure sur 3 jours. Donc, même si c'est 10 tapings dans l'année, et 10 tapings dans l'année, bah, t'as l'année entière, voire même plus. Donc, Impact. Bon, moi, en tout cas, je suis déçu. Mais je suis quand même content de voir que bon il va continuer le catch, déjà je suis content de ça. ça va devenir une grosse star, hein, chez Impact. C'est ça aussi qui est bien pour lui, c'est que je pense qu'il va être vraiment... Bah, il a intérêt à devenir champion du monde s'il va chez Impact déjà. S'il va chez Impact, oui, il faut qu'il soit champion du monde rapidement. À moins que son deal soit court. C'est une possibilité aussi. Donc ouais, je suis forcément déçu. Après, je me dis effectivement, bon, bah, peut-être d'ici un ou deux ans, il pourra débarquer chez Elite Wrestling et que c'est juste une étape dans sa carrière. Peut-être que... Faut qu'on se rappelle aussi, par exemple, EC3. Hein. On pensait qu'il allait signer un peu plus longtemps avec Impact. Au final, non. C'est un deal qui était vraiment cool. Ouais, lui, en plus, il avait même pas signé. Quoi. C'était juste, vas-y, je fais deux apparitions chez vous. Et puis... Mais voilà, en tout cas, je suis déçu. Je trouve que c'est... J'ai pas envie de dire un manque d'ambition, mais en tout cas, si AEW a proposé un contrat à Buddy Murphy, je pense que c'est un manque d'ambition de la part de Buddy Murphy.
Mais ça peut aussi vouloir dire, ben ouais, je veux devenir le meilleur chez Impact plutôt que être dans la mid-card de l'Elite Wrestling. C'est pas impossible non plus. Et peut-être C'est pas qu'il impossible. a des plans dans la Et tête, qu'il voudra peut-être un truc rebondir tout con. après. Voilà, peut-être un truc trop con, c'est genre il signe chez Impact, mais il sait très bien que c'est plus petit que l'Elite Wrestling, mais c'est vraiment histoire de se relancer, tu vois. Histoire de se relancer, puis ensuite aller chez l'Elite Wrestling, c'est possible aussi, hein. Mais ça m'étonnerait, genre qu'il s'installe sur des années chez Impact Wrestling, tu vois. Après lui, il a aussi le profil très New Japan aussi, on le sait. Mais bon, New Japan, on en reparlera dans 3 ans, quand ce sera redevenu bien. En parlant de free agent qu'on attend énormément du côté de l'Elite Wrestling, Robbie Riot, Robbie Soho, a sorti une nouvelle vidéo, la suite de sa vidéo The Runaway. Faut juste dire que c'est trop bien. Les catcheurs qui font des vidéos comme ça, qui suscitent le buzz. Malakai Black, maintenant Buddy Matthews, maintenant Robbie Soho, et ça fait trop plaisir, c'est trop bien produit. J'adore ce que propose Robbie Riot. Pas trop de sous-texte. Alors, il y a quelqu'un qui a souligné. Attention, parce que là, faut partir loin. Quelqu'un qui a souligné. Qu'en gros, enfin, dans cette vidéo, on voit Robbie Riot en voiture, qui à un moment entend sa musique de WWE, donc elle est pas contente de machin. Elle s'arrête dans une station-service. Cette station-service. Apparemment, attention, c'est apparemment, serait la même. Attention là, les gars, là on part loin. Serait la même que une vignette d'All Elite Wrestling il y a 1 an et demi entre Joey Janela et Sonny Kiss. Une superbe vignette. Le seul truc bien qu'ont proposé Joey Ah Janela et oui, Sonny Kiss en putain, c'est équipe. vrai qu'ils avaient fait cette vidéo. Et mais elle était trop bien, cette petite vidéo Il n'y a jamais eu package. suite. C'est ça le pire. Il n'y a jamais eu suite. Ouais, ils ont juste fait équipe, c'était de fun. Mais qu'est-ce qu'elle était bien cette vidéo package où ils sont dans une station-service, Sonny Kiss commence à défoncer tout le monde. J'avais adoré cette vidéo package, c'était trop bien. Bon, oui, effectivement, il n'y avait pas eu de suite. On avait bon, voilà, ils ont juste fait équipe après ça, mais apparemment, ce serait la même station-service. Attention, c'est trop bien. Si c'est ça, c'est génial parce que c'est pas fini. Ce serait la même station-service et cette station-service, mon cher JMD, devine le nom de cette station-service. Je sais pas, Cannes, quelque chose? Soho, Soho, le nouveau nom de Robbie Riot. Waouh, bravo au mec qui a souligné ça. J'ai pas pris le Twitter du mec, mais bravo au mec qui a souligné ça. Je trouve ça incroyable. J'adore ça. J'adore ces vidéos-là avec plein de sous-textes comme ça. Et effectivement, hein, il a bien, on voit bien sur la vignette entre Janela et Sonny Kiss de l'année dernière, le plan sur la station-service qui s'appelle Soho. Ça me plaît, j'aime beaucoup ce genre de truc. Là, faut vraiment aller chercher très loin. Je sais pas comment le Ah mec ouais. a fait, mais bravo à ce mec-là sur Twitter. Ça me plaît, j'ai hâte. Robbie Riot, on le sait, les Dirt Sheets l'ont rapporté, elle l'aurait signé avec Elite Wrestling. On est impatient, All Out, on ne sait pas pour quand. Mais pour All Out, faut savoir, mesdames et messieurs, qu'on devrait entendre le Final Countdown. Puisque ça a été annoncé, Daniel Bryan devrait débuter à All Out. Pourquoi? Alors vous savez qu'à la base c'était prévu qu'il débute le 22 septembre dans le Dynamite, dans ce grand stade à New York. Mais Tony Khan aurait peur de vu ce qui se passe avec le Covid, que bon ben voilà on sait jamais, hein, que ce soit annulé ou décalé ou je sais pas, n'importe quelle raison. Et donc. On préfère être safe et faire évidemment débuter Bryan Danielson avec du public, bien sûr. Bryan Danielson est prévu de débuter la semaine prochaine à All Out. Qui, comment, pourquoi, on ne sait pas, mais juste Bryan fucking Danielson. On est impatient, on a hâte, on va vibrer, on va pleurer peut-être. Quel bonheur, c'est fou de se dire que. CM Punk a débuté la semaine dernière et que dans une semaine, donc avec 2 semaines d'intervalle, Bryan Danielson va certainement débuter. Comment, je sais pas, ce qu'il pourrait venir faire. Bon, de toute façon, n'importe où, n'importe qui, à n'importe quel moment, on prend hein, Daniel Bryan. Donc ça, ce serait prévu pour All Out. Robbie Riot, on ne sait pas. On sait que sa clause se termine le 31 août. Donc on verra bien. Avant de parler du dernier homme qui est devenu free agent. Parce que ça fait parler évidemment. Il y a deux news assez cool, une news qu'on attendait depuis longtemps, JMD.
Dark va enfin avoir sa propre arène. On avait annoncé ça il y a 2 mois maintenant de cela, et c'est fait. Dark a sa propre arène, et c'est une arène qu'on connaît bien. C'est l'une des Impact Zones, la dernière Impact Zone, enfin, parce que là, si on compte pas le garage, techniquement, c'est la dernière Impact Zone qu'ils ont utilisée jusqu'en 2017. Et que j'aime beaucoup. C'est une arène que j'apprécie beaucoup. Je sais pas toi, JMD. Mais ouais. J'aime beaucoup. Bon, en même temps, c'est là où on a réellement découvert TNA, c'est-à-dire notre première alternative à 2E, donc ça fait toujours quelque chose. Tu vois, rien que ça. Et puis, j'ai un certain attachement, on va dire, à cette période-là des TNA, y compris l'arène, qui était... Avec les tunnels. Qui ont été repris par Elite Wrestling. Et moi, perso, j'espère, vu que Elite Wrestling utilise les tunnels, que Impact pourrait peut-être prêter, s'ils les ont encore, les tunnels de leur entrée. Ce serait génial. Ce serait génial, la nostalgie à fond. Dans l'arène où t'avais soit une grosse foule, enfin, quand je dis une grosse foule, c'est une foule chaude, en feu, soit une foule qui est totalement morte. Bah, le truc, c'est que, petite anecdote, les billets du Impact Zone à l'époque étaient gratos. Voilà. Lorsque vous étiez dans des tapings d'Impact, bah, c'était gratuit. Bon, spoiler pour Dark, ça sera pareil à Skip. Donc, ne soyez pas du coup étonnés si à certains moments la foule est vraiment en feu. Mais surtout pour Dark. À certains moments, ils s'en battent les couilles. Surtout pour Dark. Parce que maintenant, on le sait. Donc là, ça commence quand les tapings, GMD? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi. J'avais peut-être vu dimanche soir. Je sais pas. Bon, bref, on verra. Mais ce qui est intéressant, c'est que je parle bien uniquement de Dark. Le Dark du mardi soir. Ouais. Puisque Dark Elevation sera dorénavant toujours tape avant Dynamite. Et donc diffusé le lundi soir. Et quant à Rampage, soit tape après Dynamite, soit en live. Voilà. Mais en tout cas, voilà comment on va partir. Moi, ça me plaît beaucoup. Mettre du coup un petit peu moins de combats à Dark Elevation pour un peu moins tuer la foule, peut-être, et un peu les faire un peu plus respirer, faire un petit 5-6 combats grand max à Dark Elevation. On se rapproche de ça, hein. Là on est autour de 7-8, vous allez voir. Allez, ouais. Tu baisses encore de 1 ou 2 combats et ce sera très bien, je trouve. Mais du coup, Dark, je suis impatient de voir cette nouvelle version de Dark. Je suis vraiment impatient, je trouve que l'Impact Zone, c'est parfait, il y a une vraie ambiance, une vraie atmosphère, une vraie identité, et c'est exactement ce que je voulais. J'ai très très hâte. Je suis content aussi de voir qu'il y aura du public et pas que ce sera en huis clos. Ça me plaît beaucoup, j'ai très hâte de voir ça. Je suis hypé. Alors il y a une news incroyable, j'ai trouvé ça fou. All Elite Wrestling a contacté le légendaire Gangrel. J'adore cette news, elle est fabuleuse. Je sais pas si tu l'as vu passer. Si, c'est ouf. Concernant SummerSlam, ils ont contacté Gangrel. Oui, JMD. On parle pas de Gangrel. Oui, oui, indirectement, oui. Non, mais... Tu m'as compris. Non, c'est pas ça. Si tu m'as dit concernant SummerSlam, bah, on n'a pas parlé de Gangrel depuis 10 ans. Donc, oui, je pense que c'est par rapport à ça. Oui, donc Gangrel, légende de l'Attitude Era, en fait, a été contacté par Elite Wrestling pour faire un truc avec Christian Cage. Christian Cage qui est des membres du Breed. Avec... Brood. J'ai dit. Oui. Du Breed. Du Brood. Avec maintenant, ça me rappelle le New Breed. Le New Breed qui est, oui, voilà, le clan de merde qui a feud. Ouais. Je pensais à cette connerie. Bon, bref. Le Brood avec Gangrel et Edge. Donc, durant l'Attitude Era, ça a duré un an, cette connerie. Mais c'était over de fou. C'était très over à l'époque. C'est je crois de souvenir même leur theme song qui était surtout over. Ouais, mais même eux, tu vois, enfin, il y avait un vrai truc, tu vois, genre, on comprenait pas pourquoi Edge et Christian étaient avec Gangrel, tu sais, enfin, des vampires, hein, depuis quand, enfin, on comprenait pas trop. Enfin, les gens comprenaient pas trop, parce que moi, je comprenais forcément pas grand chose à l'époque. Mais du coup, ouais, c'était très over, même si ça a duré que très peu de temps. Et AEW aurait contacté Gangrel pour Dynamite, sauf que WWE a fait ce truc avec Edge lors de la feud avec Seth Rollins, tout d'abord lors de SmackDown en faisant une fameuse mare de sang. Voilà. Merde.
qui a beaucoup fait parler, etc. Donc qui était très fun. C'était une référence au Brood, ouais. Voilà, avec le Edge démoniaque, tout ça. Parce que le Brood avait l'habitude de faire des bains de sang. Des bains de sang. Et ensuite, cette entrée à SummerSlam, totalement incroyable, totalement épique. Moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai beaucoup aimé le clin d'œil. J'aime bien ce genre de clin d'œil. Ça m'a plu. Mais du coup, bah, Elite Wrestling, pas de chance. Ils se sont fait dépasser. Bon, là, il n'y a aucune. Enfin, c'est pas de leur faute. C'est de la faute ni de WWE ni de Elite Wrestling. Là, c'est, ouais, vraiment... c'est juste une grosse coïncidence. Voilà, c'est ça. Plutôt. Grosse coïncidence. Mais apparemment, ouais, ils voulaient faire du coup un truc avec Christian. Donc, ça, c'est fun. Et d'ailleurs, bravo à Elite Wrestling parce qu'ils avaient booké Gangrel. Du coup, ils ont annulé le truc. Mais ils ont quand même payé Gangrel. Donc, ouais, ça, c'est classe. Bravo à EW. J'ai bien aimé cette news parce que c'était de la pure coïncidence. Dans une guerre qui d'habitude est plus déloyale que ça, là c'est vraiment une coïncidence absolue, donc ça m'a plutôt fait marrer. Bon, maintenant faut parler du cas Shaw, après avoir parlé de CM Punk, après avoir parlé de Daniel Bryan, on a un nouveau hottest free agent in the game, Adam Cole. Bye bye. Est officiellement free agent depuis hier soir. À l'heure où on vous parle, on tourne samedi, donc depuis deux jours maintenant, Adam Cole est free agent. Et il y a WWE qui veulent toujours signer Adam Cole, mais ça ne sera pas le cas. On va prendre l'exemple. Pete Dunne, on a appris que WWE a mis un contrat sur la table pour Pete Dunne. On ne sait pas encore s'il a re-signé Pete Dunne. D'ailleurs, pas de news sur Pete Dunne, mais peut-être qu'il est free agent aussi, hein, Pete Dunne, je ne sais plus. Bref. Il n'est pas loin, en tout cas, ouais, d'être free agent, et il a une offre sur la table de jeu. Voilà. C'est tout ce qu'on sait pour ça. Adam Cole est free agent. Et Adam Cole, il y a un forcing de WWE, mais ça pue au late wrestling. Ou quand, comment, encore une fois, je ne sais pas, mais bon, Adam Cole va débarquer chez AEW, peut-être qu'on s'avance, peut-être qu'on... Bah peut-être justement, ça va être Arthur Ashe, hein. C'est pour ça en fait qu'ils veulent décaler Bryan à All Out. Peut-être, ouais, mais la raison pour laquelle Bryan a été décalé, c'est aussi parce qu'il y a cette crainte de finir à huis clos. Oui, c'est vrai. Et bon, je pense qu'Adam Cole, ils veulent pas le faire débuter non plus à huis clos, mais... Oui, mais au moins, genre, tu vois, il y aura un backup au cas où, si au final, c'est pas à huis clos. En tout cas, Adam Cole n'a pas de clause. C'est-à-dire qu'il peut apparaître où il veut dès aujourd'hui. Il peut réapparaître chez WWE s'il le souhaite, mais il peut réapparaître. Il peut apparaître chez Elite Wrestling, il peut apparaître chez Ring of Honor s'il veut. Dans le petit show indie du coin là, qu'il y a, voilà, il peut le faire il aussi. Il peut apparaître sur Twitch, il peut apparaître chez moi, il peut... enfin partout. Déjà aujourd'hui, oui, normalement on aura plus d'infos concernant Adam Cole. Alors au moment où on tourne. Les infos seront déjà sorties parce que normalement il va stream entre temps. Donc on aura quelques informations concernant ce qui s'est passé hier. Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'il a dit sur Discord. Donc on ne sait pas si Adam Cole va réellement adresser la situation d'hier. On ne sait pas. Mais il y a une petite chance que oui, et qu'il y a une petite chance du coup que vous ayez plus d'infos que nous d'ici l'upload de ce pod. Est-ce que t'es comme Lara Fabian, t'y crois encore? Putain, et pas mal. Oui, j'y crois à fond, Adam Cole chez Elite Wrestling. J'y crois à fond. Quelle est cette promo? J'y crois à fond, Adam Cole chez All Elite Wrestling. Et je veux surtout Adam Cole chez All Elite Wrestling. Donc, ouais, j'espère juste qu'il n'a pas cédé à la pression de Drew et qu'il a signé. Voilà. On verra ça. Bon, on va passer à Dark Elevation, diffusé tous les lundis soirs sur YouTube. Donc, nous commencions. Tac, si je prends le bon truc. Non, ça c'est Dark Elevation qui commençait avec Anthony Bowens contre Dante Martin. Je sais pas si t'as vu ce combat, Jeannette, tu me disais. Je l'ai vu, ouais. Est-ce que Bowens il est re-rentré sur le theme song de l'Acclaimed? Parce que. Merde, j'ai pas fait gaffe. Je t'avouerai que j'ai pas du tout fait gaffe. La semaine dernière, il est rentré sur un thème random. Et apparemment, je sais plus si c'est sur ce Dark Elevation ou sur un autre qui a été tape.
Il serait re-rentré avec le thème de The Acclaimed. Je t'avouerai que j'ai pas du tout fait attention. Ok, bon. Sur le combat, dans tes Martin, non, t'inquiète, on s'en fout. Sur le combat, Anthony Bowens. Il est encore rentré sur un thème générique. Ok, bon, apparemment, le prochain Dark Elevation, du coup, Bowens sera sur le thème de The Acclaimed. Donc 9 minutes, un combat compétitif entre deux moitiés d'équipe. C'était bien. Moitié de Top Flight, moitié de The Acclaimed. Victoire de Dante Martin en 9 minutes, JND. Ouais, c'était plutôt bien, je vous conseille d'aller le checker. Bowens m'a pas mal impressionné en solo. Il a pas mal. Genre, il a vraiment sorti son jeu, pour le coup. Pas mal de belles prises. Il a fait notamment genre un genre de TDT là, depuis les cordes qui était pas mal. Ouais, non, franchement, c'est à recommander si vous avez 10 minutes à tuer de regarder ce match. Et comme quoi, je suis un connard parce que cette édition de Dark Elevation ne comptait que 5 matchs. Voilà, je disais de la merde tout à l'heure, donc voilà. Big Soul et Julia Hart sont backstage. Big Soul avait trash talk sur Diamante, voilà, parce qu'elles sont en feud depuis 3 ans maintenant. Julia Hart, quant à elle, trash talk aussi sur Diamante, parce qu'elle aime pas sa gueule, je pense. Et Big Soul va challenger Diamante et en partenaire de son choix. À l'affronter elle et Julia Hart. D'ailleurs, la promo, alors un mot sur la promo parce que j'ai pas éteint tout de suite le Dark Elevation, j'ai checké la promo, elle était à Yesh. Ah ouais. J'ai détesté la promo, ouais. Genre, le contenu, tu vois, était pas trop mal, c'est juste c'était redondant et c'était pas original. Je crois en fait que Swall et Juliard, genre, elles ont dit ouais, t'étais forte pour nous attaquer, mais est-ce que tu seras forte contre nous deux, genre des trucs comme ouais. Ça, c'était nul. Mais bon, elles ont essayé, c'est déjà ça. Oui, c'est Dark Elevation, on s'en fout, ouais. Un peu le fion. C'est là un peu où tu t'entraînes. Oui, c'est ça, c'est fait ouais. Pour. Et elles seront, je rappelle, dans la Casino Battle Royale du buy-in. Dollout. En parlant de Julia Hart, elle accompagne les Varsity Blondes qui vont battre Warren Johnson et Zach Mason, habitués d'AEW Dark, connus sur le circuit indépendant en tant que Fly Def. Fly Def. Oui, pourquoi pas. Diamante va également parler à Trash Talk, elle répond à Big Soul, Julia Hart. Elle accepte le challenge et elle dit que sa partenaire sera The Native Beast. Nyla Rose. The Blade et TH2 de la Hardy Family Office contre Chuck Taylor, Wheeler Utah, Orange Cassidy des Best Friends dans cette feud qui ne se termine jamais. Pour hyper le combat entre Orange Cassidy. Le pire sera le lendemain. Attends, le lendemain à Dark, t'auras le même match. Attends. Non, tu remplaces The Blade par Matt Hardy, excuse-moi. Victoire des Best Friends en 8 minutes. Bon, merci. Tay Conti va squash l'excellente Promise Baxton en 4 minutes 20. Ça, c'est un combat qu'il faudrait que j'aille voir parce que j'adore Promise Baxton qui n'a que 24 ans. Elle catch depuis 2017, elle a été entraînée par la PWX Academy. Et depuis 2 ans, elle catch dans la compagnie de Booker T, la Reality of Wrestling. Elle est d'ailleurs l'actuelle championne de la division Diamonds, donc la division féminine de la Reality of Wrestling. Elle a 24 ans, c'est l'une des catcheuses du circuit indépendant américain les plus charismatiques en ce moment. C'est fou, elle est badass, comme j'ai rarement vu quelqu'un de badass comme ça. C'est un truc de taré. J'adore Promise Baxton, elle a une gueule, enfin c'est fou. Donc j'étais trop content. Trop content, je crois qu'elle avait déjà fait une ou deux apparitions du côté de Dark. C'était son deuxième combat. Voilà, elle était là le 14 juillet où elle s'était fait squash, le 20 juillet pardon, où elle s'était fait squash par Abaddon. Bah tu vois, en allant sur son Twitter, je me rends compte qu'elle est bouddhiste. Alors ça, c'est un bon point. mais vraiment, ouais, pas mal. Ok, pas mal le look. Ok. Donc victoire de Tay Conti. Découvrir. Alors le Death Triangle, Pac, Rere, Phoenix et Penta évidemment. Vont battre le Dark Order d'Alan Angels, Colt Cabana et Evil Uno. Toujours des tensions au sein du Dark Order là depuis une petite semaine. Victoire du Death Triangle en 10 bonnes minutes quand même, dans un combat qui devait être plutôt sympathique. Voilà pour cette édition de Dark Elevation diffusée évidemment lundi soir sur YouTube. Dark
diffusé mardi soir sur YouTube, qui commençait avec Thunder Rosa, qui a squash Heather Reckless, habitué de l'Elite Wrestling Dark, si je ne m'abuse. Heather Reckless, c'était ses débuts du côté de l'Elite Wrestling. Alors, Heather Reckless, donc ça a duré 2 minutes 30. Donc, elle catch depuis 2 ans, entraînée, attention, par l'une des meilleures écoles du circuit indépendant américain, l'école de Marek Brave et Monsieur Seth Rollins, la Black and Brave Wrestling Academy. Et donc, elle est du côté de la SCW, donc la fédération de Marek Brave. Elle a débuté récemment du côté de la AAW. Donc, elle commence à se faire un nom. Moi, je la connais, Heather Reckless, je crois que je l'ai vu catcher une fois. Par contre, où ? Ça, c'est la question. Où est-ce que je l'avais vu ? Alors, je sais même plus. Quelque part. Mais elle a... réponse safe. J'ai, du coup, très cool de l'avoir sur l'Elite Wrestling. Elle a un look... elle est vraiment très charismatique, je trouve. Après, dans le ring, bon... après, j'avais vu un combat très court d'elle, hein, donc je peux pas non plus trop juger. Mais de mémoire, c'était pas bien du tout. Mais bon, si elle catch que depuis 2 ans, tout s'explique. Voilà, en tout cas, victoire de Thunder Rosa. Nyla Rose annonce qu'elle est la première à entrer dans la Casino Battle Royale d'All Out, elle qui est la seule gagnante d'une Casino Battle Royale féminine, déjà lors d'All Out, mais All Out 2019. On annonce également que le Factory affrontera le Gun Club à Dynamite avec Paul White au commentaire, et que le trio de Moxley, Kingston et Darby feront leur retour face aux Wingmen. Les Varsity Blondes vont battre Ren Jones et Brayden Lee en 2 minutes 30. Alors, avant de vous parler de Brayden Lee, que je connais très bien, parlons de Ren Jones, que je ne connaissais, quant à lui, pas du tout. Ils faisaient tous les deux leur début du côté de Elite Wrestling. Et Ren Jones, mon Dieu, le charisme. Le charisme du monsieur. Donc, il catch depuis 2015. Il a été entraîné à la House of Truth de Truth Martini. Que quand même une école, il est une école. Ouais, l'école de Truth Martini, elle est très réputée. La House of Truth. Et donc, il a catché pour la Extreme Intense Championship Wrestling, comme beaucoup de catcheurs entraînés par Truth Martini. Et récemment, il a débuté pour la AAW. Enfin, il n'a pas débuté pour la AAW, mais il est devenu un régulier de la AAW. Le charisme du monsieur, c'est assez fou. Je ne le connaissais pas, mais en tout cas, enchanté. C'est fou, enfin vraiment, Ren Jones à surveiller. Brayden Lee, catcheur que je suis depuis janvier 2020. Donc, il a commencé le catch en 2018. Je le suis depuis janvier 2020 du côté d'IWA Mid-South. Donc vraiment, je le suivais dans le catch obscur, disons. Et il a explosé, je dirais, janvier 2021. Donc un an après que je le découvre, avec le GCW Fight Forever, vous vous souvenez de ce live reaction de 24 heures que j'avais fait, et Brayden Lee a été booké de fou. Il a eu un excellent combat contre Myron Reed lors du premier show de ce Fight Forever, après il a eu 2 ou 3 bookings en plus sur l'intégralité du show 24 heures, et depuis c'est devenu un régulier de Game Changer Wrestling. Il est apparu pour AAW, pour la Paradigm Pro, pour la Absolute Intense Wrestling, pour la New Texas Pro, pour la Warrior Wrestling, même pour Impact Wrestling où il s'est fait squash, pour la Black Label Pro, et donc maintenant pour Elite Wrestling. Brayden Lee, c'est un super worker. Il a un truc, c'est un high flyer assez classique, mais je sais pas, il a un truc dans son physique, il est assez petit, mais très musclé. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup Brayden Lee. Petit, musclé, genre un pack Dans l'idée, ouais, un peu physiquement, tu vois. Il est moins, okay. Il est mille fois moins charismatique. Bon après, pas que c'est vrai que est moins athlétique que Pac, je vous dis. Oui aussi, mais Brayden Lee, il a vraiment un truc. Voilà, je conseille notamment son combat contre Myron Reed. Et il y a un combat, je crois, contre Cole Radrick lors d'un show Game Changer. Voilà, Game Changer Ashes to Ashes, le 1er mai 2021, que je conseille aussi, Cole Radrick, qui est un catcheur à surveiller. Voilà, il est en train de monter de fou, Brayden Lee, sur cette année 2021. C'est l'une des révélations de l'année 2021. Et j'étais très content de le voir sur Elite Wrestling parce que c'est un catcheur que je suis depuis le quasi-début de sa carrière.
et qui a explosé très rapidement, et du coup je suis content. Voilà, j'étais très content de le voir. Victoire donc évidemment des Varsity Blondes. Powerhouse Hobbs va squash en 37 secondes Sean Dean. Je comprends pas ce qu'ils font avec Sean Dean, ça me dépasse un petit peu. Tony Schiavone est dans le ring avec Britt Baker, Rebel et Jamie Hayter. Britt Baker hype son combat avec Red Velvet. Elle hype, pardon, et trash talk sur Red Velvet, pardon. Et qu'est-ce qu'elle hype? Elle hype herself, donc elle se hype elle-même. Voilà, très bien. Jamie Hayter va un petit peu parler, et voilà, c'est elle qui va hyper son combat contre Red Velvet à Dynamite. Et elle dit qu'elle va également botter le cul de Chris Statlander. Ça s'annonce. Donc, Jamie Hayter contre Chris Statlander dans le build-up d'All Out, ce serait plutôt pas mal, je pense. Mais il n'y a plus qu'une semaine, donc dépêchez-vous. Dante Martin face à Alan Angels. C'est pas mal ça, 5 minutes, victoire de Dante Martin. Très bien, ça devait être plutôt sympa. Les Lucha Brothers vont squash en quand même 6 minutes, combat assez compétitif. Aaron Solo et Nick Comoroto du Factory. Ça, c'est un combat que je suis curieux de voir, parce que Nick Comoroto dans le même ring que les Lucha Brothers, ça me plaît. J'avoue, c'est particulier. Mais bon, le Factory qui vont perdre sans réelle surprise. On en reparlera tout à l'heure. Orange Cassidy, Chuck Taylor et Wheeler Yuta des Best Friends vont battre Matt Hardy et TH2 de la Hardy Family Office dans le main event de cette édition de Dark en 7 minutes. T'as pas oublié un match? Qu'ai-je oublié? Oublié si, Dark Order, John Silver et Ten Order, contre ouais. Isaiah Moore. Ouais. Le Dark Order, John Silver et Ten vont battre Isaiah Moore et Cal Hero. Alors Cal Hero qui avait déjà fait une ou deux apparitions du côté d'Holly Wrestling et qui est un catcheur que j'aime beaucoup. Isaiah Moore, est-ce que ce serait pas ses débuts à ce garçon du côté d'Holly Wrestling? Isaiah Moore, ouais, c'était ses débuts. Je ne le connaissais pas. Il ressemble à Lee Johnson, je trouve. Voilà, c'est mon analyse pour ce catcheur. Il a que 24 ans, il catche depuis 6 ans. C'est ouais. Plutôt pas mal. Et c'est un régulier depuis peu de la AAW, encore une fois. Alors, je vais voir, la AAW, c'est basé où? Parce que là, je vois beaucoup de mecs de la AAW cette semaine. On était à Chicago. On était à Chicago, non? Pour ce Dark... AAW, c'est à Berwyn, dans l'Illinois. Donc, ouais, ouais, bah, il tourne pas mal. C'est une fête qui tourne pas mal à Chicago, sort ça. Et on était au United Center pour ce Dark. Oui, mais je voulais vérifier la... C'était la ville. Je voulais vérifier la ville. Non, c'est Berwyn, dans l'Illinois. Mais c'est basé dans l'Illinois. Donc, voilà pourquoi il y avait beaucoup de mecs de la AAW présents sur cette édition de Dark. Ça, j'aime beaucoup qu'on ramène beaucoup de catcheurs locaux. Locaux. Pour Dark, et non pas des catcheurs fous. Voilà, on finira sur cette vanne très peu qualitative que les gens qui ont fait LV2 espagnol uniquement comprendront. It's Wednesday night and you know what that means. Hein. Ouais. On va partir. On en reparlera de la qualité elle-même de ce Dynamite. 100e Dynamite, alors, dans le compte. 99e, s'il te plaît. Non, moi, mon compte, je compte le Late Night Dynamite, donc c'est le 100e Dynamite. Voilà, je vous encule tous. J'encule Cage Match. Le show commence avec. Donc, GMD, vas-y, parce que Mako a dit non. Donc c'est bon, là elle a dit oui, vas-y, tu peux parler ouais, donc, de Dynamite. Centième. Donc pas 99. Oui. Non, 99, moi 100. Je compte pas. le show commence avec la feud qui va jamais se finir, Orange Cassidy contre Matt Hardy. On aurait pu se dire c'est la fin. Non, ça ne s'arrêtera jamais. Ouais. Ça aurait pu finir la feud, hein. Ça avait l'affiche pour, mais ça ne se finira jamais. Le match était sympa, en vrai, le match était sympa. Mais c'est un match de Matt Hardy en 2021, quoi. Orange Cassidy va l'emporter en 9-53 après avoir pris The Leech, qui était la prise de soumission de Matt Hardy en petit paquet. Bon, c'est un match de Matt Hardy. Après, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça plutôt cool dans l'histoire qui a été racontée, etc. Voilà, on va juste. Les parties comédie, j'ai bien aimé par contre. Les quoi? Les parties comédie, j'ai dit. Ok. Non, moi j'ai trouvé ça plutôt réussi, c'est voilà, exactement ce que j'attendais, même j'avais peur que ce soit pire. Mais j'ai bien aimé. Par contre, tu mets ça en opener, tu te fous de ma gueule.
Donc, et je pense qu'ils ont mis en opener à cause d'Orange. Tu vois, non, mais surtout, faut savoir qu'aux États-Unis, le but de Elite Wrestling, c'est d'accrocher les gens dès le début. Pourquoi ? Parce que le premier combat, il est sans pub. Tout l'opener, il n'y a pas de pub pour TNT aux États-Unis. Et toi, tu mets quoi pendant la seule fois où t'as pas de pub pendant ton show, tu mets quoi ? De la hit de Matt Hardy. Ah mais c'est fabuleux. Alors que t'as les Lucha Brothers contre les Varsity Blondes. Mais voilà, c'est ça. C'est ça de un. Et puis de deux, les premiers quarts d'heure, je dirais les deux premiers quarts d'heure sont en général les quarts d'heure les plus vus de chaque show Elite Wrestling, si vous remarquez. Ah oui, c'est toujours les quarts d'heure 1, quart d'heure 2. Le fait qu'il n'y ait pas de pub dans l'opener, ça joue énormément pour les gens qui regardent la télé. Le fait qu'il n'y ait pas de pub pendant 20 minutes aux États-Unis, c'est un truc de taré, quoi. Donc j'ai vraiment pas compris. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait du sang, je trouve que ça a amené quelque chose. Mais à quelle heure cette feud n'est pas finie ? Parce que je vous le dis tout de suite, ils ont annoncé Orange Cassidy contre Jack Evans de la Hardy Family Office la semaine prochaine pour Dynamite. Donc on continue ? On fait quoi maintenant ? On fait Orange Cassidy contre chaque membre de la Hardy Family Office ? Après on fera Chuck Taylor contre chaque membre de la... Enfin on s'arrête quand ? Je comprends pas pourquoi. C'est quoi le endgame au final de la feud ? Bah ouais, je sais pas. Parce que à la limite tu fais tous les best friends contre 4 ou 5 mecs de la Hardy Family Office. Mais ils ont déjà tout fait à Dark, quoi. On l'a vu là, deux fois le même match. Enfin bref, au bout d'un moment, faut dire stop, quoi. Je comprends pas pourquoi ça continue la semaine prochaine. Je suis curieux, je suis très content de voir Jack Evans catcher en fait à Dynamite. Je suis très content, mais ça me saoule de voir cette feud, mais à un point, c'est fatigant, quoi. Ouais, c'est clair. Moi j'ai mis 2,5 au match, t'as mis combien ? Oh non, moi j'ai mis 3,5, parce que j'ai trouvé ça vraiment bien dans l'histoire. 3,5 ? Moi le seul truc qui m'a saoulé c'est le putain de fait que ce soit en opener. Je comprends pas. Ah d'accord. Par contre, j'ai déjà m'interdit d'avoir pu continuer avec le nez pété aussi au passage. Ça devait pas être évident. Je rappelle qu'il voulait continuer avec une commotion cérébrale, ce bouffon. Ouais, mais quand même, tu vois. Je te rappelle que bien, t'as bien eu Sin Cara, tu vois, qui n'a pas voulu continuer après un doigt cassé. Donc, vaut mieux toujours féliciter, tu vois, l'effet de guerrier d'un catcheur. Il y a quand même Johnny Deboul qui a continué après une verge cassée. Donc, ça, c'est un autre. J'avoue. On embrasse la boule de Johnny. Pardon. Ensuite, Promo in Ring de Chris Jericho. C'est l'une des plus grandes semaines de l'histoire de la AEW. Tout le monde a fait la fête, sauf moi. Parce que la semaine dernière, quand j'ai eu la chance de battre MJF, je ne l'ai pas fait. J'ai perdu. Pour la troisième fois, j'ai perdu contre MJF. Et pire encore, j'ai abandonné. Ça me rend fou. J'en ai perdu le sommeil parce que je suis Chris Jericho. Je me suis toujours efforcé de rester au sommet. Même si cela signifiait être frappé avec des tubes d'ampoule, être bombardé 50 fois. Et c'est parce que c'est ce que je fais. Mais le fait que je n'ai pas réussi... à battre MJF, c'est un mantra dans ma tête. Battre MJF, battre MJF, battre MJF. Max, il y a des chants, je vais continuer. Il y a des chants beat MJF, beat MJF. Ça marche très peu, mais c'est drôle. Max, tu sais que je vais continuer à t'attaquer jusqu'à ce que je te batte. Et c'est pourquoi j'ai une proposition à te faire sur la façon dont on peut en finir. J'espère que tu m'écoutes en coulisses, Max. Je te propose un dernier match, un dernier combat All Out. Et j'y réfléchis longuement et sérieusement. Si je ne peux pas battre MJF, peut-être que je n'ai plus rien à faire chez AEW. C'est dans ma tête. Si je ne peux pas battre MJF, peut-être que je ne mérite plus d'être champion. Alors voilà ce que je te propose. Si tu me bats, je ne catcherai plus jamais chez AEW. MJF, si tu veux prouver que tu es meilleur que moi, tu vas devoir me battre. Qu'en dis-tu ? La musique de Maxwell retentit et Max arrive. Cela devient embarrassant, Christopher. Pourquoi ne peux-tu pas me laisser tranquille ? Je vois clair dans ton jeu. Il y a plus d'un an, tu as vu une ascension fulgurante. Tu savais donc que pour rester pertinent, tu avais besoin d'un frottement de la part de la star montante la plus rapide du catch professionnel. Devine quoi, Chris ? Ta vache à lait est épuisée. Mes lèvres sont douloureuses. Pouvoir dire que j'ai fait abandonner Chris Jericho, c'est cool. Mais pouvoir dire que j'ai mis fin
à la carrière de Chris Jericho, c'est légendaire. Alors si tu veux ce match, tu l'auras. Mais considère que tu mets ta carrière en jeu contre un homme qui t'a déjà battu 3 fois. Es-tu sûr de le vouloir ? Parce que je suis meilleur que toi et tu le sais, a déclaré MJF. Il y avait un t-shirt 3-0 contre Jerry oui, Blow. Oui, contre Jerry Blow. Une dédicace d'ailleurs de Jericho chez WCW. Parce qu'il avait la feud avec Goldberg. Oui. Ouais. Donc MJF contre Chris Jericho à All Out, c'est officiel. Vous m'entendez là ? Si Chris Jericho bat MJF, vous allez m'entendre mille fois plus. Non, sans déconner. Je peux pas accepter que Chris Jericho batte MJF en pleine ascension comme ça en 2021. Mais le problème, c'est que Chris Jericho, il va pas prendre sa retraite, il va pas quitter All Elite Wrestling, même s'il restera aux commentaires pour Rampage. On connaît Chris Jericho, il a déclaré il y a 2 semaines qu'il allait pas prendre sa retraite de sitôt. Et puis, on va pas se mentir, le jour où Chris Jericho va vraiment prendre sa retraite, va vraiment quitter All Elite Wrestling, va vraiment avoir le dernier combat de sa carrière, il méritera une tournée d'adieu, il méritera un vrai... Moi, je suis partisan pour ces combats, les derniers combats de catcher où c'est juste feel good, quoi. Tu vois, et là, bon, bah, ce sera absolument pas le cas. Mais la question, c'est comment faire, en fait, parce que... Là, le truc le plus obvious, c'est que Chris Jericho bat MJF. Mais connaissant All Elite Wrestling, connaissant Chris Jericho, je pense pas qu'ils vont faire perdre MJF. Je trouve que ce serait une balle dans le pied. Ils vont pas faire perdre MJF comme ça, en fait. C'est comme l'année dernière. Même l'année dernière, ils avaient pas osé faire perdre MJF contre Jon Moxley, tu vois. Oui, il a quand même perdu, mais il y avait eu un... Oui. Voilà, mais... Moxley qui utilise le Paradigm Shift dans le dos de l'arbitre alors que il n'avait pas le droit de l'utiliser. Mais là où c'est encore différent, je trouve, c'est que MJF il a battu 2 fois Chris Jericho en 1v1 parce que le 3-0 il compte le Blood and Guts. Moi je le compte pas. Oui. Il a battu 2 fois Chris Jericho. Je vois pas pourquoi refaire le match en fait. Je comprends pas. MJF a gagné la feud. Enfin, je vois pas l'intérêt. Et du coup, s'ils veulent refaire le match, c'est quoi ? Ils vont encore faire gagner MJF ? Je comprends pas. Je trouve que c'est mal booké, que c'est pas pertinent, que du coup, le Pinnacle contre le Inner Circle, c'est fini. C'est quoi ? C'est relégué en seconde zone. Alors, c'est chacun font leur feud de leur côté. Et puis, la feud globale, en fait, je comprends pas. Ça m'intéresse pas. J'en ai marre, je suis dégoûté. Et si Chris Jericho bat MJF, sincèrement, c'est pas le All Elite Wrestling que je connais. C'est pas le All Elite Wrestling qui crée des stars. C'est pas. Non, je veux vraiment pas voir ça. Mais du coup, là, je sais pas comment se dépatouiller de ça parce que je comprends pas pourquoi refaire un troisième combat alors qu'MJF a déjà 2-0 contre Chris Jericho. Enfin, je vois pas l'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt. Là, je trouve que la feud, elle tire vraiment en longueur. Là, c'est la première fois que je trouve que l'Elite Wrestling tire en longueur sur de la feud, sur une feud, pardon, et que ça en devient même inintéressant. Faut savoir qu'ils se sont affrontés à Full Gear. C'était octobre. En novembre. Novembre, Full Gear. Enfin, c'est chaud, quoi. Franchement, les gars, et là, en fait, c'est juste... En plus, il n'y a pas de stipulation. Il y a pas de, enfin, il y a juste le truc de Chris Jericho, mais il y a pas de, tu sais, de stipulation dans le. No DQ. Je sais pas, ouais, no DQ. No DQ. Voilà, sais rien, moi. Mais il y a même pas de stipulation. Ça va être encore un combat. Je comprends pas. Là, c'est vraiment du booking de fainéant. Et là, vous allez commencer à m'entendre gueuler sur ce Dynamite. Je te laisse continuer. Je sais pas, ouais. Toi d'ailleurs, mais je pense que t'es d'accord avec moi dans l'ensemble. Pourquoi quoi. Je veux pas en voir un troisième. Tu vois le délire. Dans le sens où on sait que le troisième, c'est Jericho qui va le gagner. Tu vas pas faire une feud où MJF va gagner les trois, en fait. Moi je pars de ce principe-là. Ensuite, moi, du coup, maintenant, ma curiosité, c'est comment ils vont faire perdre MJF. Toi, t'es sûr que MJF perd. Je pense pas qu'il va gagner, tu vois, déjà. Bah ouais, c'est ça. Ou alors, bon, bah, après, c'est pas du tout Elite Wrestling, mais... Après, genre, ce qui me pousse peut-être à dire que Chris Jericho va perdre, c'est que bizarrement, tu vois, il a trop donné de détails concernant un possible rôle extérieur.
tu vois le délire? Ouais, mais je Lutte trouve ça Wrestling. bizarre que, tu sais, c'est abrupt, quoi. Il annonce 2 semaines avant que, tu vois, son combat son Après, dernier combat, il l'annonce deux après semaines aussi, avant. ça peut être aussi comme une spéciale du jeu qui ont fait déjà plein de fois ça avec Chris Jericho, c'est faire, si tu perds, t'es viré, si tu perds, ton contrat expire. Pourquoi? Parce que le mec tourne pendant un an ensuite avec Fozzy. Ils l'ont déjà fait. Et bon, alors, je pense pas qu'ils vont faire ça. Ça Ouais, sert mais à rien de faire. là, il a dit le dernier combat sur l'Elite Wrestling. Et même d'ailleurs Ouais, c'est ça. sur l'affiche du match, il y a marqué le dernier combat de Chris Jericho d'ailleurs. Bon, ils sont pas mis d'accord là-dessus. Sur l'affiche du combat de All Out, c'est le dernier combat de Chris Jericho tout court. Il n'y a pas marqué AEW, machin. Donc en fait, je comprends pas. Parce que. Enfin, je sais pas. Mais en fait, c'est pas de la. Tu vois, c'est pas de la bonne curiosité là. Là, c'est juste de. J'ai pas envie, quoi. T'as pas envie de voir ton chosen one se faire pin. Bon, je comprends, ouais. Bref, ensuite, c'est AEW World Tag Team Championship Eliminator Semi-Finals Match, les demi-finales, entre les Lucha Brothers et les Varsity Blondes. Dans ce que j'ai mis le meilleur match du show, et ça en dit long, parce que moi je l'ai noté à 3 étoiles. Les Lucha Bros ont emporté en 8-25 après un Assisted Package Piledriver des Lucha Bros sur. Je me rappelle plus c'était sur qui. Je crois que c'était sur Pillman. Mais voilà. C'est dommage parce que C'était trop court. c'était Moi trop je court, trouvais ouais. c'était trop court. Bon, après, faut savoir qu'ils ont tourné au Rampage après, vu le banger on en reparlera, mais vu le banger que nous ont offert les Lucha Brothers. C'était le même jour en page ou c'était le lendemain? Non, c'était le même jour. Je crois pas D'accord. non, ils tournent pas, ils tournent tout en un soir. Bah, autant faire en live hein, si c'est le lendemain. Merde, mais oui. J'ai bien aimé le travail des Varsity Blondes, ce qui s'améliore vraiment. Il y a encore quelques lacunes, ils sont pas encore prêts, tu vois, mais c'est bien de les faire catcher une fois de temps en temps à Dynamite. Ils ont encore, voilà, je trouve qu'il y a encore des lacunes des deux côtés, surtout du côté de Dave Garrison que j'aime beaucoup, mais dans le ring, bon voilà, ça va venir avec Ça va le venir, ça temps, va venir, ouais. mais ils Et s'améliorent. aussi, ouais, c'est vrai. Aussi, par contre, dans le match, il y a un spot qui m'a plutôt fait rire parce que c'est un botch. Tu vois, d'habitude, les Lucha Bros, enfin, soit Penta, soit Phoenix, ils partent, ils enroulent leurs adversaires et puis ils l'enchaînent avec soit un Canadian, soit un truc totalement pété, quoi, tu vois. Là, t'as Penta qui a essayé de faire ça, il a essayé d'enrouler avec Pillman, ils ont galéré à mort, il a porté un vieux DDT Oui, minable à le griffe. DDT, ouais, il était dégueulasse. Ça. C'était terrible. C'est C'était très rare terrible de parce que ça m'a un voir. peu. Très rare de Ouais. voir les Lucha Bros botcher. Ouais. Ça m'a un peu sorti du match et vu que le match était plutôt court, genre, ah, ça m'a un peu entaché, personnellement. Mais mis à part ça, c'était bien pour ce que c'est, honnêtement. Mais je pense que. Je vais pas dire, je préférais un match de 5 minutes de plus. Parce que je sais très bien, d'ici quelques semaines ou quelques mois, il y a une possibilité que ces deux équipes se réaffrontent dans un match un peu plus longué. Donc, Et pour les on championnats n'a par plus qu'à équipe. patienter, mais en tout cas, c'est une bonne mise en bouche, en tout cas. Mais C'est une très bonne mise en bouche. sur les Varsity Blondes, ils ont quand même cet aspect où on va occulter le côté spotty Ouais. de leur adversaire. On a toujours cette impression que les Varsity Blondes vont partir dans le Spotfest. Ils arrivent toujours à nous prendre à contre-pied. C'était le cas contre les Young Bucks, là c'était le cas contre les Lucha Bros. Ça me plaît. Ce que font les Varsity Blondes, c'est-à-dire ne pas tomber dans le full spot fest et justement nous prendre à contre-pied comme ça peut devenir une récurrence du côté des Varsity Blondes et je trouve ça très pertinent. Voilà, mais ils doivent encore prendre en expérience, mais c'est le genre de combat qui va les aider, quoi. Ouais, c'est clair. Après le match, il y a eu une tentative d'intervention des Young Bucks, mais les Jurassic Express sont venus sauver les Lucha Bros. Jungle Boy et Ray Phoenix en ont profité pour porter un double suicide dive sur l'élite. On en parlera du banger lorsqu'on fera la revue de Et oui, Rampage. puisque donc les Lucha Brothers s'affronteront les Jurassic Express dans la finale de ce mini-tournoi pour déterminer les Ouais. challengers des Young Bucks à All Out dans un Steel Cage match. Ensuite, oh boy, c'est à partir de là que je trouve que le show commence un peu à se péter la gueule. Red Velvet affronte Bon, de se Jamie péter la gueule. Hayter. Dans un match que j'ai pas aimé. Vraiment pas aimé, pour moi il était horrible et infâme. Jamie Hayter va l'emporter en 7-0-1
après que Red Velvet ait loupé un standing moonsault et que Jimmy ait été enchaîné avec une lariat. J'ai mis une étoile et la seule étoile c'est pour Jimmy Hatter. C'est tout. Non, Red Velvet, elle a loupé son match, mais monumental. Quoi. Moi, j'ai mis le double de toi. Quel, alors, x2, 1 x 2, bon, ça fait pas beaucoup. Mais alors, tu dis que Red Velvet, elle a loupé son match, mais elle a aussi loupé Jamie Hatter. Oui, quelle le moonsault, bah. Non, ouais. Mais là, excusez-moi, mais quand on est des catcheurs professionnels, ça c'est impardonnable. Là, je suis vraiment. Je comprends pas. Tu ne loupes pas. C'est l'une de ses prises phares. Je veux bien que tu botches. Des fois, ça peut arriver. Mais ça, c'est un non absolu. C'est et je veux bien aussi que tu botches, en fait. Je veux bien que tu loupes si c'est pas une de tes prises que tu fais le plus. Tu vois, si c'est pas une prise dans ton arsenal, tu innoves. Surtout là, c'est plus qu'un bol. Pour moi, c'est une erreur de professionnalisme. Ça n'a pas lieu d'être. Enfin, ça m'a vraiment mis hors de moi. J'aime beaucoup Jamie Hatter, j'aime beaucoup aimer l'outfit, tout le package autour. Ce theme song n'était pas vraiment plus jamais ça. Plus jamais ça dans mes oreilles. Je vous en supplie, quoi. Ne m'infligez plus jamais ça. C'était infernal. Mais au-delà de ça, ouais, le package autour, elle a eu du mal sur les premières minutes. Je l'ai trouvé plus convaincante sur la fin. Ouais, ça fait quand même quelques semaines, voire quelques mois qu'elle n'a plus catché, il me semble, Jamie Hatter. Hein. Elle a vraiment disparu des radars. Mais encore moins devant le public, quoi. Donc. Mais il y a vraiment un truc, c'est juste le temps de se remettre en jambe pour Jamie Hatter, mais effectivement c'était pas un bon squash, parce que j'ai trouvé que même Jamie Hatter, elle a pas eu assez le temps, elle a pas été assez longtemps à l'aise pour vraiment prouver qu'elle était dominante ou quoi que ce soit. Je l'ai trouvé bonne sur la dernière minute, quoi. Sur les dernières secondes. Et c'est là aussi, en fait, tu vois les lacunes, en fait, des catcheuses très green comme Red Velvet. C'est pour ça, en fait, qu'on a besoin de catcheuses de vétérans qui ont de l'expérience, qui sont des vétérantes, pardon. Parce que voilà, Red Velvet, elle a du potentiel. C'est une bonne catcheuse, elle a du potentiel. Mais faut pas la foutre régulièrement à Danoma comme ça. Parce que ça donne ça au final. Ça donne ça. Lorsque tu essayes de mettre over d'autres catcheuses, ça va donner ça. Et au final, ça n'avantage ni Red Velvet ni Jamie Hatter. Après là, que... c'était pertinent dans l'idée de la feud, etc. Moi, c'est ce combat là, c'est celui qui m'a le moins dérangé là sur la série de 3 combats qu'on a eu après. C'est pas bien, mais ça me dérange pas. Honnêtement, ça me dérange pas parce que l'idée du combat, c'était juste. Oui, l'idée du combat rentre dans la feud, tu vois, il y a une certaine logique. Logique au final. Même si c'était pas bon. Je m'en fous, parce que c'était vraiment pour montrer une Jamie Hatter forte, et je trouve que ça a été bien fait sur les dernières secondes. C'est plus les deux prochains combats qui vont me mettre un peu hors de moi. Quoi. Ouais, mais avant ça, on a des segments. D'abord, un segment backstage avec le Dark Order. Ils adressent leur dissension de ces dernières semaines. Alex Reynolds reproche à Vil Luno le départ d'Hangman Page il y a quelques semaines. Il reproche également son soi-disant entre guillemets leadership. Evil Uno s'est du coup un peu emporté et a insulté Alex Reynolds, le disant notamment qu'il devrait rester dans l'ombre de John Silver. Evil Uno a ensuite essayé de s'excuser, mais Alex ne voulait rien entendre alors que John Silver tente de raisonner son partenaire. Okay. Evil Uno qui est pas un bon acteur, hein. Là c'était très mal fait. Il balance le truc à Alex Reynolds et il dit « Oh merde, excuse-moi », c'est très mal fait. Oui, c'est ça. Mais au-delà de ça, je sais pas où ils vont avec le Dark Order là. Il y a ces petites tensions. Je vous rappelle qu'Evil Uno et Stu Grayson, c'est les deux qui ont empêché tous les membres du Dark Order d'aller aider Eggman Page la dernière fois qu'on l'a vu lorsqu'il s'est fait exploser par l'élite. Donc je sais pas s'ils vont sur un heel turn d'Uno et Grayson, s'ils vont sur La mise en avant de Bray Wyatt, parce que ça pourrait peut-être l'arrivée effectivement de Wyndham Rotunda, enfin Bray Wyatt évidemment. C'est vrai que Bray Wyatt, moi j'aimerais beaucoup voir Uno Grayson, pourquoi pas, en fait voir un Dark Order face, voilà, avec Order heel, voir Silver, Reynolds, Alan Angel, je sais pas. En tout cas voir un espèce de deux Dark Order qui tu sais, genre Cabana, Silver, Reynolds, je trouve que ça marche très bien eux trois. Et puis après
je sais pas, Allen Angel, Sten ou No Grayson, qui vont avec Bray Wyatt, qui vont recruter d'autres mecs pour repartir sur un peu ce qui était la base du Dark Order, donc une secte. J'oubliais Ten, mais bon, lui, je l'oublie tout le temps et j'espère que Holly Tracing l'oubliera un jour parce que vraiment, lui, il est très mauvais. Hein. Ils ne l'oublieront jamais, hein. Je te rappelle, c'est un proche de Cody. Mais non, mais voilà. J'aimerais bien voir ce truc-là. Après, il faut que ce soit bien fait, bien raconté. Mais pourquoi pas, ouais, là, comme ça, le truc qui me vient en tête, c'est Cabana, Silver, Reynolds. Je trouve que c'est un trio qui fonctionne bien. Et puis après, les autres ensemble. J'adore Alan Angels, tu vois, je trouve qu'il a plus un truc de heal. Et Ten, il est musclé. Voilà, mais. Mais je pense qu'Alan Angels se rapproche plus de Silver, Reynolds ou ça, parce qu'il y a un peu de dissension. Ouais, il a dit un mot à la fin, mais tu sais, genre, s'ils partent dans ce délire-là, Bray Wyatt, il peut venir et retourner le cerveau de Five et de Ten. Enfin, je sais pas, il peut faire des trucs. Pourquoi pas, moi, ça me plaît. Ensuite, Tony Schiavone est dans le ring pour interviewer CM Punk. Alors, ah oui, d'ailleurs, fun fact, avant qu'on fasse réellement le segment, Tony Schiavone était le mec qui devait introduire CM Punk dans les débuts de CM Punk à Rampage. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Voilà. Non, mais ça, c'est quoi cette idée là? Ça, c'est vraiment des. Ouais, c'est Tony Schiavone qui l'avait dit dans son podcast. En fait, de base, c'était ça, mais ensuite, ils se sont dit, vas-y, non, on laisse CM Punk. Mais évidemment, mais ça va pas la tête. Bon. Ensuite, du coup, le segment lui-même. Tony Schiavone qui demande à CM Punk quelle est la chose plus que tout autre qui t'a fait revenir après toutes ces années sans être sur le ring. Punk qui répond: c'est Penta El Cero Miedo, c'est Rey Fénix, c'est Brian Pillman Jr., c'est Jungle Boy, c'est tous ces jeunes gars. Au début, j'ai juste cru. Ouais. Tu sais, quand Tony lui demande, j'ai juste cru. Mais CM Punk il dit: oui, c'est Penta. J'ai juste cru. Oui, c'est Penta. J'ai cru qu'il allait s'arrêter là. J'allais dire. C'est bon. Oh putain. C'est pour Penta que je suis venu en fait. C'est lui qui m'a demandé. Ça aurait été. J'ai vraiment cru. Mais ce qu'il fait une petite pause. Du coup, attends quoi? Pourquoi Penta? Bon, ça m'a fait rire. Et ce qui m'a fait rire aussi, c'est qu'il a pris 3 des 4 mecs qui étaient dans le match juste avant. Tu sais, il s'est pas fait chier. Oui, c'est ça, genre originalité gros. C'est pas fait chier, mais. Bon, ensuite. Ça se voit que pour pas lui jeter une. Ouais, mais ensuite, pour pas lui jeter la pierre à la gueule, ce sont des bons choix quand même. C'est tous ces jeunes gars, avant ces noms, c'est Darby Allin. Tu es téméraire au point de tout détruire. Et je regarde un gars comme toi et je me dis, est-ce que CM Punk peut encore y aller? Est-ce que CM Punk peut être encore le meilleur au monde? Et si la réponse est oui, ça commence avec Darby Allin. Darby n'est pas le plus grand, il n'est pas le plus fort, mais bon sang qu'il a du cœur. Et il ne s'agit pas de prouver que les détracteurs ont tort, mais de prouver que j'ai raison. Et si je dois répondre à ces questions moi-même, ça va être le 5 septembre à All Out, lorsque moi, je t'affronterai dans ce ring en 1 contre 1. Bon, ben là... C'était générique, je trouve. Voilà, alors la delivery est parfaite, mais c'est vrai que les. Ouais, mais. Ce qui est dit... Le contenu, en fait, c'est ça, c'est que t'es captivé parce que c'est CM Punk qui parle et que le mec a une bonne delivery, mais quand tu regardes le contenu de la promo, c'est ultra générique. J'irais pas jusqu'à dire que c'est des génériques, mais je trouve que c'est très répétitif de ce qui a été dit, ce qu'il a dit à Rampage, quoi. Ouais, mais après, en vrai, c'est générique quand tu vois le calibre de CM Punk. Quand tu connais CM Punk, voilà. Oui, c'est pas de son niveau habituel. Je reparlerai de ça tout à l'heure parce que ça m'énerve. J'ai beaucoup aimé, par contre, j'ai beaucoup aimé le moment CM Punk qui, au début, faut parler de ça, qui au début, il dit à Tony, putain, je peux pas t'entendre, il y a trop de bruit, il demande aux gens, calmez-vous. Je sais plus ce qu'il dit et les gens ils commencent à chanter yes, yes, yes. Oh, et Punk qui dit. Oui. Alors ça c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, juste alors être un petit peu plus patient. Tu veux quoi? Ouais. Que je me mette tout nu devant toi? Que oui, en fait. Oui, évidemment. Quoi. Putain. Ah oui, d'ailleurs aussi. Et ça c'est aussi. Ce genre de moment où tu vois. Attends, ça c'est juste ce genre de moment où tu te rends compte que c'est pas scripté parce que c'est le public qui va décider ça et c'est un Punk qui va lâcher cette phrase et c'est de la pure impro et c'est ça. Qui font que les moments se créent. Et c'est fou, vas-y, tu voulais dire. Il y avait aussi un autre easter egg de potentiel début, le oui. BW. Ouais, je voulais en parler aussi. Donc, alors, la semaine dernière, enfin, lors de Rampage. WR, pardon. Non, c'était BW. C'était BW. BW? Oui. Okay. Lors de Rampage, sur les chaussures de. Alors, c'est fou, là, encore une fois, là. Enfin, ça va loin, quoi, mais. Sur les chaussures de CM Punk, il y avait les initiales AC. Évidemment, les initiales d'Adam Cole.
Bon, je m'étais pas emballé, je m'étais pas emballé parce que je me suis dit bon, ça peut juste être ça, on sait pas, tu vois. Bon là, cette fois-ci, c'était les initiales BW, donc Bray Wyatt. Donc là, bon, on sait qu'on joue avec nos couilles. donc je vous entends avec Étienne, j'ai l'impression. Ouais. Donc là, voilà, là on sait que il met bien ses lettres, pas au hasard, sur ses chaussures. Donc ça me plaît aussi, c'est des petits détails mais qui me plaisent. D'ailleurs, CM Punk a fait une promo post-match lors du Rampage dont on parlera tout à l'heure aux côtés de Christian Cage, et qui avait un t-shirt avec je sais plus quoi, il y avait marqué Fiend en bas. Ouais, quelque chose Fiend. Donc on continue de voilà de nous les Bray Wyatt. Putain, on en a surtout, pas parlé. Surtout que tu vois, genre ils ont pas fait les choses au hasard parce que le segment ils l'ont mis sur YouTube. D'habitude ils mettent pas ça. Hein. Ils mettent pas genre les segments pour show sur YouTube. Ah, ils en mettent des fois. Ils mettent Eddie Kingston. Non, Eddie Kingston ils l'ont mis. Je crois que oui. Hein. Je crois que oui. Le gâteau là avec. Parce que. Avec Fuego oui, et tout oui, ça. Oui, non, mais parce que justement, je l'avais relevé parce que la promo a été écrite, c'est sur 400 manières en entier. Mais j'ai pas souvenir qu'elle était sur YouTube. Eddie Kingston s'y allié, là, je viens de vérifier, allié AEW exclusive. S'ils le font parfois, mais c'est vrai, c'est pas souvent, mais ça leur arrive. Mais... C'est pas souvent, et puis bizarrement, pourquoi là, tu vas le dire. Tu vas me dire, ouais, c'est la première fois que CM Punk renvoie les gens de chez eux depuis son tour, mais attendez. Voyez plus loin, les gars. Non, je pense que là ça va pas jouer pour le coup. Je pense que c'était juste parce que bah, ils savaient que ça allait bien marcher sur YouTube, parce que c'est le genre de feel good moment qu'ils aiment bien aussi diffuser sur YouTube. Mais en tout cas j'aime beaucoup ce genre de. Et on en a pas parlé dans les news, mais je sais pas si on en avait déjà parlé. Bray Wyatt aurait signé avec Elite Wrestling. C'est juste une question de temps. Oui, aussi. Ouais, c'est juste une petite news comme ça. Hein. Tu la balances juste comme ça. En plein milieu du pod à 23h21 à l'heure du rec. Comme ça. Je sais pas quand sa clause se termine à Bray. Il était viré quand ? Bonne question. Mais bon, ça doit être novembre, je pense. Novembre pour la clause ? Ouais, je pense. C'est aussi récent ? Bon. Ah oui, aussi, j'avais pas marqué, mais il est évidemment, on l'a dit déjà tout à l'heure. Fait une dédicace à AJ Lee durant sa promo. Voilà. Un punk. Monsieur Easter Egg, on va l'appeler maintenant. Ensuite. Une vidéo promo. Une nouvelle vidéo promo de Miro. Qui provoque encore Eddie Kingston. Il aurait. Ok. J'allais dire, il aurait pu intervenir au match, mais je me suis dit, bah non, c'est juste après du coup. Ouais. Enfin bref. Six-man tag. Attends. Parce qu'il fait encore une référence à sa femme, Miro. Il fait encore une référence à Lana. J'aimerais beaucoup voir débarquer du côté d'All Out pour manager Miro qui... Je dirais pas qu'il en a besoin, mais je pense que le duo, là, ce serait pognon de fou, quoi. Ah oui, ça marcherait. En heel comme ça, enfin, ça serait formidable. Par contre, bon, je comprends toujours pas... cette fascination vers Eddie Kingston, c'est pas expliqué, c'est juste tiens toi Eddie Kingston, t'es un peu fort, les gens t'aiment bien, donc en fait il y a pas de sous-texte, il y a rien d'expliqué, ça m'énerve. Expliquez-nous pourquoi pas John Moxley, pourquoi pas Brian Cage, expliquez-nous pourquoi Eddie Kingston. Je veux bien, Miro il cherche un mec fort, tu vois, il cherche un mec qui a des victoires, que les gens aiment bien. Mais pourquoi il prend pas Brian Cage? Il a des victoires aussi, Brian Cage. Pourquoi il prend pas Ricky Starks? Pourquoi il prend pas Hobbs? Pourquoi il prend pas... J'en sais rien, moi. Pourquoi il te prend pas toi? T'as des victoires, oui. Non, t'en as pas? T'en as? Mais ça m'énerve, quoi. Explique-nous pourquoi Eddie Kingston particulièrement. Parce que des mecs qui ont des victoires et qui ont pas de programme en ce moment, il y en a plein. Mais pourquoi Eddie Kingston? Ouais. Explique. Ça m'énerve. Ça me fatigue. Enfin bref, du coup, six-man tag team match. John Moxley, Eddie Kingston et Darby Allin accompagnés de Sting contre les Wingmen, César Bonnet, JD Drake et Ryan Nemeth dans un match qui était juste un squash match glorifié, soyons honnêtes. Mox, Kingston et Allin vont l'emporter en 7-28 avec un coffin drop sur JD Drake. Le flow de JD Drake est... En salopette, on dirait, oui, trop, on dirait le fils de Arn Anderson, hein, JD Drake. C'est vrai. Il y a vraiment un truc. Non, mais j'étais content de voir les Wingmen à Dynamite. Que j'aime j'étais beaucoup. Moins content de voir que c'était juste un squash match un peu qui a un peu duré, quoi.
C'est tout. Et Darby Allin, il est au courant qu'il affronte CM Punk All Out. Ça commence à me fatiguer en fait. Il y a CM Punk qui fait des promos sur Darby. Darby, pff, il est là, il fait des trucs avec Sting, il fait des trucs avec Mox. Et on bulle de quand? Enfin, hormis les promos de CM Punk, on va pas bulder qu'avec des promos. On fait quoi? Non mais sans déconner, il y a plus de build-up à Daddy Garcia contre Darby Allin 2 que CM Punk contre Darby Allin. Post-match, Daddy Garcia va attaquer Darby Allin. C'est peut-être le plus grand match de la carrière de Darby Allin. Il affronte CM Punk. C'est le premier adversaire de CM Punk depuis 7 ans. Et qu'est-ce qui... M'en fous. Vous foutez de moi ou quoi? Il fait des matchs avec Moxley et Kingston. Mais c'est une blague. Je vous jure que si ni à Dynamite, ni à Rampage la semaine prochaine, il y a une altercation, il y a un truc physique entre les deux, un face-off, là aussi vous allez m'entendre. Attends, faut pas... Je veux bien, CM Punk c'est super, les promos où il met over Darby, c'est super, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Mais vous foutez pas de ma gueule, Darby il fait quoi? Et c'est chaud Dynamite, je suis fatigué. Enchaînons. Tony Schiavone est dans le ring pour interviewer Kenny Omega, qui est avec Don Callis, Brandon Cutler et Michael Nakazawa dans le ring. La musique de Christian Cage, par contre, retentit et il sort sur la rampe. Christian Cage qui nous dit « Au cas où quelqu'un aurait été confus par ce que j'ai dit ces dernières semaines, Don Callis est un forain de merde. » Alors pourquoi il dit ça? Il fait référence justement au retour d'Alamite, où justement on avait montré que Christian Cage avait été embauché par Don Callis pour affronter Lance Storm à la télévision canadienne. À l'époque, ils avaient eu un bon showing, tout ça. Mais sauf que Christian Cage ne sera jamais ramené de nouveau à la télévision. Pourquoi? Parce que Don Callis avait décidé de ne plus le booker. Et bien sûr, qui a fait de m'en parlant, les promoteurs qui étaient associés à Don Callis se demandaient pourquoi. Et Don Callis a répondu, il préfère miser sur Kenny. Et ils se sont rendu compte que Kenny Omega, un jeune gamin de 10 ans. Ça a fait rire, surtout Dynamite. Ouais. Après, ça ne suffit pas pour construire une feud comme ça, les gars. Non, mais moi j'ai trouvé ça très drôle. C'est très dans le délire. Oui, c'était Callis. Très drôle, mais attends. Attends, ouais, mais... c'est pour build le match pour All Out, quoi. Oui, je non, mais c'est l'un des trucs, l'un des éléments de build-up, tu vois. C'est pas que ça, heureusement. Ouais, c'est vrai. C'est l'un des éléments. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça va vraiment bien dans l'atmosphère et ce que représente Don Callis Kenny Omega. C'est très... Et ce que représente Don Callis tout court, hein, parce que mine de rien, Don Callis a été plus connu comme ça. C'est très comme débile, un gars, c'est ouais. Très... très con, en fait. Mais... je sais pas, ça me plaît bizarrement. C'est complètement débile, mais je sais pas comment exprimer et comment dire que ça marche. J'ai trouvé ça vraiment très réussi. C'est pas juste une vanne qui est balancée comme ça. Je trouve que c'est pertinent. Ouais, non, mais parce que c'est vraiment entre guillemets construit derrière, tu vois. Genre, ils ont même montré genre les images d'archives, les vraies images d'archives. Par contre, du Christian Cage contre Lance Storm. Ils ont demandé à un mec, là, à un vieux que personne connaît, de dire oui, c'est vrai ce qu'ils disent. Ça me bute de rire. Mais c'est, tu vois, c'est pas... je sais pas. J'avoue, par contre, j'ai pas cherché si c'est réellement le promoteur ou quoi. Je te jure, ouais. Moi, je te jure, ça doit être un vieux mec qui est passé là. C'est génial. Non, mais moi, je trouvais ça très réussi. J'ai adoré, là. C'est mon truc préféré de Dynamite, je pense, cet angle-là. J'espère, du coup, que Lance Storm fera une apparition à Dynamite. Hein. Ça pourrait être drôle. Enfin, bref. Ensuite... Je ne suis pas sûr de ce qui est le plus étrange, le fait que tu aies manipulé Kenny Omega de 10 ans ou le fait que tu manipules toujours Kenny Omega, dit Christian Cage. Tu penses que tu me connais? Tu penses que tu me connais, Christian? Demande à Kenny Omega énervé. Je vous laisse traduire cette phrase en anglais. Tu veux parler de ma famille, Christian Cage? Cela me met très en colère. Tu vas découvrir à All Out ce que je sais depuis 25 ans. Tu as toujours été le deuxième meilleur durant toute ta carrière, dit Don Callis. Brandon Cutler ensuite asperge de froid à Christian Cage, puis Kenny Omega et Don Callis. Oui, bah écoute, Cold Spray, c'est traduit comme ça. Asperge de froid. Trouve une meilleure traduction de Cold Spray. Je sais pas. Je sais pas comment traduire. Bref. Puis Kenny Omega, Don Callis et Michael Nakazawa commencent à malmener Christian Cage.
L'élite Hunter Frankie Kazarian sprint sur le ring et fait fuir l'élite pour clore l'angle. Non, moi j'ai trouvé ça vraiment bien et j'ai oui, qu'est-ce que je voulais dire, j'ai bien aimé oui. Qu'est-ce que j'ai bien aimé quoi. Oui, non, je voulais dire You think you know me. Oui, non, après le You think you know me, il lâche pas un punk aussi un moment. Il lâche un punk à un moment. Oui, You think you know me, punk. Dommage qu'il ait pas lâché un I've got something for you. Aussi. Non, je suis déçu. Non, mais c'était vraiment très bien. Et je trouve que c'est un bon build-up pour All Out. Et il me redonne. Et pour Rampage, genre. Il me donne vraiment de l'intérêt sur un rematch qu'on a vu il y a très peu de temps. Non, je suis vraiment. Je dirais pas impatient de voir ce Omega Cage, mais. Après, voilà, on sait très bien qu'on va pas être déçu parce que avec le combat de Rampage, on sait très bien ce que vont faire les deux, tu vois. Donc on part plutôt optimiste pour le combat. Après, ouais, dans la manière d'exécution pour le rematch, ouais, non, on s'en va, ça me plaît. Moi, perso, ça me plaît. C'est pas dérangeant. Après, on aurait aimé, évidemment, tous voir Hangman Page, évidemment. Ensuite, du coup, Jon Moxley coupe une promo en backstage. Après toutes ces semaines de provocation, malheureusement, qu'un seul gars a eu les couilles de franchir les portes interdites. Satoshi Kojima. Bon sang, je me sens insulté que ce vieux fou veuille se mesurer à moi. Satoshi Kojima, on dirait que tu as un souhait de mort pour All Out à Chicago. Ce sera l'exécution publique de Satoshi Kojima. Alors c'est officiel, hein. Pour All Out, on sait que Jon Moxley devait affronter Hiroshi Tanahashi pour All Out. Finalement sera Satoshi Kojima. Alors Satoshi Kojima qui est une véritable légende, qui fera ses débuts chez Elite Wrestling, ancien champion IWGP. Légende, ouais, c'est un catcheur absolument incroyable. Mais qui a quoi? Qui a 51 ans, 52 ans. Et qui est plus du tout en forme, qui réussit toujours à proposer des bons petits combats, mais bon, qui n'ont jamais un grand intérêt et qui dépassent jamais. Voilà, c'est pas des matchs of the year. Ce qu'ils nous proposent, ce sont des matchs vraiment solides, vraiment bons. Vous avez qu'à regarder contre Kenta à Soul Kingdom et Osprey à un New Beginning. C'était bien. Hein. Je dirais pas non plus solide et vraiment solide. Je dirais juste que bon, c'est bien quoi. Enfin, tu vois, bien. Ah, c'est solide quoi. Ouais, c'est solide, j'irais pas non plus jusque là, tu vois, genre je sais pas, moi je trouve que c'est, enfin c'est juste bien dans le sens où bah, il est âgé, forcément, et c'est complexe à cet âge-là, est-ce qu'il a pris cher, hein, Kojima, physiquement et tout, mais en tout cas, la chose qui est sûre, c'est que ça aurait été super à Dynamite, mais qu'est-ce que ça vient foutre en pay-per-view. Je vous rappelle que Elite Wrestling, ils ont 4 pay-per-view par an. Et tu viens niquer un slot avec Jon Moxley contre Satoshi Kojima, avec Paul White contre Queenie Marshall. Alors je suis d'accord, Moxley-Kojima, ça va être plutôt cool, mais il n'y a rien. Quel est le build? Rien. Le build-up, c'est rien. Rien. Ouais, ça se voit tellement que ces dernières minutes. Non, y a ça se voit tellement ces dernières minutes, hein, par contre. La façon dont comment Moxley a coupé la promo et puis la façon dont comment Elite Wrestling ont rushé. Alors, je vais juste vous dire quelque chose. Durant le mois de septembre, il y a un catcheur de New Japan Pro Wrestling qui va affronter Jonathan Gresham, Anthony Henry, anciennement, je n'ai même plus son nom chez WWE. Merde, comment il s'appelait? Oh, le con, comment il s'appelait Anthony Henry? Oh, c'est pas grave, oublie. Attends, non, ça m'énerve. Ah, merde. Tu y tiens vraiment à son nom de chez WWE? Asher Hale. Alors que tu as vu. Asher Hale. Le WWE, donc avec, Anthony Henry, Daniel Garcia, Homicide, Minoru Suzuki sera aux États-Unis tout le mois de septembre. Quitte à faire un combat qui n'a aucun build-up, faites-nous un putain de rematch. On l'a déjà eu au Japon, c'était génial.
et c'est un événement de voir Minoru Suzuki chez All Elite Wrestling, ça aurait été un événement. Aux US, déjà, ça c'est oui, un événement. Mais bon, il y va souvent quand même aux US, Suzuki. Mais là, tu vois, dans une... Oui, depuis ces dernières années. Depuis ces dernières années, oui. Parce que depuis 2017, oui. Mais tout ce qui est avant 2017, bon, il est jamais venu aux US à part depuis oui, 20 ans. On s'en fout, depuis, on s'en fout. C'est une habitude dorénavant, quoi. C'est pas un événement qu'il aille aux États-Unis. Ça aurait été un événement qu'il aille chez All Elite Wrestling. Alors, je suis désolé, mais voir un tueur en série aux US, c'est pour moi un événement, d'accord. Non, mais vraiment, je ne comprends pas. Parce que là, ça aurait créé un intérêt instantané de voir Minoru Suzuki contre John Moxley. Là, John Moxley contre. On sait très bien que ça va être un banger, Suzuki. Oui, voilà. Moxley. Parce qu'on l'a déjà eu et c'était hyper bien. Là, Moxley Kojima, ça n'a aucun intérêt. Le combat va juste être cool, mais ça va pas. Enfin, vraiment, moi, ce qui me frustre, c'est qu'on a que 4 pay-per-view par an et tu viens nous remplir un putain de slot parce que tu sais pas quoi faire avec Moxley. Bon, après, c'est pas non plus de leur faute. Ils voulaient ramener Tanahashi. Là, il y aurait eu un intérêt. Là, il y aurait eu quelque chose. Mais ça aussi, il faut prévoir parce que c'est bien beau hein, de prévoir des trucs, d'avoir des plans sur la comète, de machin. Bon, mais... bon, alors après pour pas également leur jeter à la pierre à 100%, New Japan avait dit oui, hein, de base pour Tana. C'est, oui, mais c'est voilà, juste après mais ensuite, ça, ils ça, se sont. Mais ça, c'est New Japan problème. A eu une vague de blessures, une vague de Covid. Se disait, ouais, non, finalement. Ben ouais, mais c'est ça le problème. C'est aussi à All Elite Wrestling de pas prévoir autant de choses, de pas non plus trop faire confiance à ceux avec qui ils sont en partenariat, parce que c'est ça le truc. Quand ton mec il est signé. À tout moment, tu peux le rappeler. À tout moment, tu peux dire non. À tout moment. Donc, moi, voilà, c'est bien beau de faire les Forbidden Door, les trucs. Je suis d'accord avec ça. C'est trop bien, c'est excitant, machin. Mais faites attention à ça. Parce que là, on se retrouve avec Moxley contre Kojima. Kojima, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit aux États-Unis ? Il était à Impact il y a 2 semaines. C'est pas un événement de voir Satoshi Kojima. Enfin, on s'en fout. Avec tout le respect que j'ai pour cette légende absolue, hein, je suis fan de Kojima, mais enfin, il y a 10 ans, quoi. Aujourd'hui, je ne veux plus le voir catcher. Enfin, je veux voir dans des tag matchs en opener du Road to Summer Struggle, si tu veux. Mais en pay-per-view d'AEW, en main card, en 1 contre 1, jamais de la vie. Donc là, ça me saoule, une nouvelle fois. On nique un slot pour All Out. Cette carte me plaît que très moyennement. Ça m'énerve. Putain, il y a Minoru Suzuki tout le mois de septembre. Quoi. Tu vois, ils sont même pas excusables. Ils sont même pas excusables. J'avoue. Vraiment. Pourquoi ils ramènent pas Suzuki ? Peut-être qu'il a. Peut-être qu'il arrive le 10 septembre. Ok, bon, ben, tu demandes à New Japan qu'ils viennent 5 jours avant. Bon, c'est bon, on s'en fout, il va rater 2 euros de tout. Super. Oh, ça m'énerve, ça me fatigue. Attends, ensuite, y a pas le show au Dôme le week-end All Out ? Mais il va faire quoi ? De toute façon, il va faire quoi, Suzuki ? Tu paries qu'il sera, dans un opener à faire équipe avec Taichi et Dookie ? On parie ! Mais on parie ! Alors. Et Dookie, il a sorti ce qui paraît un banger contre Hiromu aujourd'hui, donc je sais pas en vrai. Attends. Bon, Elias, tu me diras ce qu'il fait, Suzuki. Mais. Ouais, je sais pas. Mais on parie, mais c'est sûr. Suzuki, il fout plus rien chez New Japan depuis 100 ans. C'est sûr, il sera dans un vieux. Attends, je vais te dire ça. Oui, effectivement, c'est le week-end. Suzuki. Alors là, sur cette carte, il y est pas. Sur la carte du 5 septembre. Et sur le 4 septembre, il y est pas. Donc tous les gros matchs annoncés, il n'y sera pas. Donc il va se retrouver dans un tag match. C'était sûr. Vous foutez de notre gueule, New Japan. Vous aussi, là, vous m'énervez. Ah, je suis saoulé. Vas-y, enchaîne. On va enchaîner par le Gun Club. Contre le Factory, le Gun Club, Billy, Austin et Colton. Contre le Factory, Solo, Komuroto et Marshall. Dans un match sans aucune putain d'utilité. Et qui était, je trouve, même pas bon. Le Gun Club va l'emporter après que QT Marshall s'est fait distraire par Polo White avant de se faire roll-up par Colton Gun en 5-50. Comment tu veux que ce soit bon quand, je crois, au bout de 12 secondes de match, ça part en pub? J'avoue. Non mais c'est fascinant quoi. Bon, moi j'ai pas eu la pub parce que j'ai regardé Fight TV, mais. Non mais oh, ça change rien. Parce que la pub ou pas, genre tu le ressens dans la hit du mec. Oui, tu le ressens. Ouais, ouais. La pub ça influe de fou sur un combat de catch. Donc non mais c'est pitoyable ce qui a été proposé. C'est à dire qu'on. Alors
Oli et Tracing ont été. En fait, il y avait deux combats qui étaient prévus, qui n'ont pas pu être faits au dernier moment à cause de Covid, je sais pas quoi. Je sais pas qui. Covid et la naissance l'un des gars de 2.0 aussi. La quoi, la naissance de... la naissance en fait de la femme d'un des 2.0. La naissance de la femme. Non. Enfin, ok. Enfin, vous m'avez compris quoi, la femme d'un des 2.0 qui va donner naissance à un bébé. Ok. Et ils voulaient faire quoi? C'était quoi le match? Je sais pas, mais ils étaient prévus pour un combat dans les plans de Tony. Donc voilà, donc c'est ça qui a remplacé, mais non, en fait, tu remplaces pas. Oui, je sais pas, genre, allez, petite hypothèse, tu allonges de 5 minutes le Varsity Blondes, Pentel, Cello Medo. En plus, ça va pas durer longtemps, tu rajoutes 5 minutes à ça, tu rajoutes 2 minutes. C'était quoi l'opener? Non, peut-être pas. Je sais pas, tu fais un angle à la con, tu donnes 2 minutes de plus à CM Punk dans sa promo, je sais pas. Je sais pas, au match Wingman ou. Oui, voilà. Pas, comme ça, leur donner un peu plus d'offense, hein, Wingman. Mais là, ça n'a absolument. J'adore Austin Gunn. Vous savez que j'aime beaucoup Austin Gunn. C'est Colton qui a pris le pin. Colton, je suis pas fan, mais j'ai rien de spécial contre lui. Mais il a un record spécial, donc. Oui. Tu le respectes. Non, mais oui, donner le roll-up à Colton en plus, bon, je voyais pas l'intérêt. Et. Bon, ben. Bah, All Out, je vous en supplie, quoi. Faites que ce soit juste. Un KO punch et fin, quoi. Parce qu'en fait, comment tu veux que ce soit plus que ça et que Queenie Marshall n'ait ne serait-ce que 30 secondes d'offense après tout comment ils ont été portrayés depuis des semaines et des semaines. Les mecs n'ont même pas eu d'entrée, le Factory n'a même pas eu d'entrée, le Gun Club en a eu une. Je suis abattu parce que le Factory c'était trop bien, mais après des mois et des mois, la création du Factory, l'angle où il pète la gueule à la Nightmare Family, il est trop bien, quoi. Enfin, vous savez que j'étais un gros partisan du Factory, mais après des mois et des mois d'existence, je suis désolé, et ça me fait mal de dire ça, mais ce clan a été créé uniquement pour que Cody Rhodes leur chie à la gueule. Tu peux enchaîner JMD, j'aurais pas mieux que ça. C'est la seule raison pour laquelle le Factory a été créé, pour que Cody Rhodes leur pisse à l'arrêt, leur chie à la gueule, et leur rote au cul. Et... comme dirait le générico, de manger leur bébé. D'ailleurs, fun fact, parce que je suis sur le site de Elite Wrestling actuellement, juste pour checker le record de Colton Gunn qui a 24-0. Oui, mais aucun match en solo. Waouh. Attention. Oui, aucun match en solo, c'est ça qui est impressionnant. Ça me bute. Honnêtement, ça me bute, ça. Enfin bref, ensuite, promo backstage de Dan Lambert qui est avec les Men of the Year. Vous, les fans, vous ne voulez pas voir des durs parce que les mous et les faibles veulent voir des mous et des faibles. Vous n'avez pas besoin de posséder l'équipe la plus dure du monde pour savoir que votre génération a besoin de travail. Vous avez besoin de vrais hommes comme Ethan Page et Scorpio Sky. Là, je vais péter un câble. Là, c'est fini. Là, vous allez me perdre définitivement. Vous m'entendez, là? J'ai jamais été autant énervé. Vas-y. Finis cette promo. C'est fini. Non. Parce que, tu sais ce qu'il dit, ce Dan Lambert, super delivery, j'aime bien le personnage, pas de problème. Tu sais ce qu'il dit? Pourquoi j'ai pris ces deux mecs? Scorpio Sky, il a un background en arts martiaux, j'en sais rien. Jujitsu, je crois, non? Ethan Page, background en karaté. Lui, c'est un vrai homme. Lui, il fait pas des conneries comme Darby Allin, il fait du skate. Tu vois, bon, Dan Lambert, c'est Jim Cornette, on est d'accord. Ouais. On est d'accord que les Elite Wrestling, ils ont un partenariat avec Impact Wrestling. On est d'accord que le dernier combat d'Ethan Page chez Impact Wrestling, rappelle-moi ce que c'est, JMD. Ethan Page contre le Karate Man. Donc Ethan Page contre Ethan Page dans un truc sur fond vert qui n'avait ni queue ni tête, bon, qui était un peu fun, mais qui est, alors là, Jim Cornette, tu lui montres ça, il vomit 8 fois. Et donc tu vas me dire que Dan Lambert, il a pris Ethan Page. Vous vous foutez de... Encore, ce serait dans une autre compagnie. Mais Impact Wrestling, ils sont en partenariat avec... J'en ai marre. On se fout de nous. Arrêtez ce partenariat avec Impact Wrestling. Arrêtez, j'en ai marre des Forbidden Doors. C'est marrant 5 minutes. Mais sincèrement, excusez-moi. Mais oui, c'est oui, il y a des trucs bien avec. Mais il y a franchement, on était bien sans, quoi. Mais après, vous allez me dire, ouais, t'es...
en fait, je suis énervé parce qu'on n'exploite pas le plein potentiel. Que ce soit Elite Wrestling, que ce soit Impact Wrestling, que ce soit New Japan Pro Wrestling, personne n'en exploite le potentiel. Hormis Finn Juice qui vont chez Impact, hormis Kojima qui va à Impact, et hormis les Good Brothers qui vont chez AEW, putain, il y a tellement de choses à faire. Des invasions, des trucs, des... Je sais pas, des échanges, des trucs, des crossover, tout simplement, des storyline crossover. On nous dit... Là, je suis énervé. En fait, je suis trop content qu'il y ait les Forbidden Door, mais j'aimerais juste que ce soit mille fois mieux exploité, parce que je trouve que c'est vraiment très mal fait. Vraiment, quoi. Et là, nous dire que... Attends, Dan Lambert, il a le personnage de Jim Cornette, et il va nous dire qu'il a été recruté Ethan Page, parce que lui, c'est un vrai homme, il fait pas des conneries dans le ring. Tu te fous de ma gueule ? Son dernier combat, c'est chez Impact, hein. C'est pas la XMV4XZ basée au fin fond du Texas. Frère, c'est chez Impact, de la fédération avec qui ils sont en partenariat. Mais attends, mais vous foutez de ma gueule, quoi. Enfin, franchement, ça me fatigue. Je suis fatigué. Parce que, vraiment, les Forbidden Door, il y avait des choses à faire incroyables. Et tout ce qui est fait, ça n'a soit pas un grand intérêt... Soit ça n'apporte rien, je sais pas, mais faites quelque chose de concret, de marquant, d'important. Faites une invasion de je sais pas, faites un truc de fou, quoi. Pour l'instant, tout ce qu'on a eu, c'est les Good Brothers qui défendent les titres par équipe d'Impact à Dynamite contre Uno et Grayson. Waouh, Christian Cage qui est champion Impact, c'est cool, mais je sais pas, aller plus loin que ça, quoi. Enfin, ça m'énerve, ça me saoule, voilà. Là, vraiment, je trouve que c'est du foutage de gueule, pur et dur. Ça m'énerve. Main event de la soirée. Malakai Black affronte Brock Anderson dans un match qui était tout simplement une exécution publique de Brock Anderson fait par Malakai. Malakai va évidemment l'emporter en 2-19 après un Black Mass. J'ai noté que c'était un très bon squash. Ça aurait pu être le meilleur truc de la soirée s'il n'y avait pas eu le post-match. Pourquoi ? Alors, parce que post-match... Attends, je vais revenir sur le match tout d'abord. C'était un très bon squash avec un Brock Anderson qui va partir sur un... Merde. Putain, mais c'est quoi qu'il fait au début du match ? Aide-moi ! Oui, attends, j'essaie de rechercher le terme aussi. Bon, bref, voilà, il va foutre Malakai au sol avec un espèce de coup de bélier. Takedown ! Un takedown, merci. C'est fou d'oublier ça. Alors le takedown de Brock Anderson est beaucoup mieux d'habitude. Sur les 3-4 fois où on l'a vu le faire, là bon, il était pas très bien exécuté, mais on s'en fout. Arn Anderson qui a cette serviette blanche, donc qui est synonyme de jeter l'éponge, j'ai vraiment cru qu'il allait l'acheter juste parce que Malakai tirait les cheveux de Brock Anderson. Je me suis dit, attendez, foutez de ma gueule là, vraiment c'est bon, j'arrête, c'est bon, là vraiment Dynamite on éteint vite. Bon, heureusement c'est pas le cas. Et Tom Malakai qui va taper la discute avec Arn Anderson pendant environ 45 minutes. Oh, tu fais quoi demain? T'es chaud, j'affronte Cody Rhodes à All Out. Vas-y, il n'y a pas de souci. Enfin, vraiment, bon, ça m'énerve. J'ai beaucoup aimé le retour de Brock Anderson. J'ai trouvé ça, voilà, vraiment les 15 dernières secondes étaient parfaites. Avec Brock Anderson qui va se concentrer sur la jambe de Malakai Black avec une intelligence, une exécution parfaite. Et un Malakai Black, mais tu fais quoi frérot? Black Mass, t'as cru t'allais travailler ma jambe. Black Mass. Le public qui chante, One More Time. One More Time, One More Time. Je vous jure qu'il y a eu une hésitation chez Malakai Black. Et c'est là que la question se pose. Et c'est là que c'est assez fou ce qui se passe avec cette storyline. C'est-à-dire que Malakai, il est heal. Mais tout le monde, tout le monde est derrière lui en fait. L'adulte. Et là, je pense que c'est la preuve que Malakai Black est heel et KOW, et du moins Cody Rhodes, surtout ne veut pas que dans cette feud, Malakai soit ovationné. Parce que là, je pense que Malakai Black, si vous voulez le portrayer, peut-être pas comme un babyface, mais comme un... Enfin, si vous voulez vraiment que Malakai soit ovationné, bah, il aurait refait un Black Mass, il aurait écouté le public. Mais ouais, j'ai trouvé les 15 dernières secondes de ce squash parfaites, et le squash dans sa globalité très bon. Et puis il y a le post-match GMD. Anderson check sur son fils. Les Black revient dans le ring avec une chaise. Arn le défie de le frapper. Black fait tomber la chaise
il tente un Black Mass, mais Arn le bloque. La foule, elle pop. C'était stylé, ça. Ouais, c'était hyper stylé, surtout comment il a bloqué. Mais Black lui porte un low blow et lui case un Black Mass. J'aurais aimé que, que une chose s'arrête là, mais non. Non, Lee Johnson. Lee Johnson, connu évidemment comme la plus grosse menace de l'histoire du catch professionnel, court vers le ring pour checker sur Anderson et Malakai Black fuit le ring pour finir un horrible Dynamite. Non mais ça c'est pas possible. Pourquoi Lee Johnson, je l'aime bien. Tu sais, ce qui m'aurait fait marrer, c'est que Lee Johnson court vers le ring, il se bouffe un Black Mass aussi. Mais bien sûr, bah, c'est exactement ce qu'il fallait. Ça aurait été tellement drôle, c'est tellement beau. Mais je dirais pas que c'est drôle, c'est juste ce qu'il fallait faire, quoi. En fait, il n'y a pas de débat. Pourquoi, d'où le Malak, j'ai même pas envie d'essayer de d'expliquer, parce qu'il n'y a rien à expliquer. Enfin, c'est logique, d'où Malakai Black. Enfin, pas de Cody Rhodes, j'espère sincèrement que Malakai sera à All Out et pas pour affronter Lee Johnson, parce que s'ils nous foutent Malakai Black contre Lee Johnson sur la carte d'All Out, vous allez m'entendre gueuler. Bon, la semaine prochaine, du moins, Dynamite, la semaine prochaine, Gomme Show d'All Out. T'as pas parlé de la petite promo FTR Inner Circle, FTR Ortiz Santana. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le relever, ouais. Avec Dax Harwood qui dit oui, on sera prêt comme jamais, et Cash Wheeler qui est là, qui est pas en belle forme. Ils ont également teasé genre leur dernier match, hein, FTR. Oui, bon, ça. Avec la blessure. Bon, on sait très bien que c'est faux, hein, mais. Voilà. FTR contre Ortiz et Santana, qui n'est pas à All Out. Je rappelle que Paul White contre Queenie Marshall et que John Moxley. Contre Satoshi, voilà, Kojima. En vrai, je vais pas blâmer White contre Kojima, ouais, parce qu'il faut bien un match pour souffler. C'est ouais, plutôt Moxley contre Kojima que je blâmerais. Ouais, c'est ça. Parce que ouais, non, je dis juste voilà, parce que Paul White, Cody Marshall, je trouve que ça a quand même pas sa place, et je pense qu'on aurait pu trouver un autre Calm the Crowd. Mais en l'occurrence, c'est pas ce qui va me déranger, parce que enfin, attention. Et puis merde, c'est le Big Show. Oui, voilà. Bon, ça va. Faut pas que ça dure plus de 5 minutes, quoi. Mais bon, ce sera pas le cas. Donc effectivement, c'est juste bon pour moi, ça pas sa place non plus en pay-per-view, mais c'est pas ce qui va non plus. Moi, c'est vraiment Moxley Kojima, quoi. FTR contre Ortiz Santana et Brian Cage contre Powerhouse Hobbs, qui sera également lors du Go Home Show. Quid de Ricky Starks, Brian Cage à All Out? Non, on va inviter Kojima, tiens, ça va être mieux. Brian Cage Powerhouse Hobbs, j'ai quand même hâte de voir ça. On l'avait eu l'année dernière avec les rôles inversés. Et... Là, on verra ce que ça change un an plus tard. Alors c'est attention, parce que Will Hobbs Babyface était moins charismatique mais meilleur dans le ring. Là, Powerhouse Hobbs, il a pris quand même un charisme, une aura de fou, mais dans le ring, bon, c'est très classique, quoi, dans la hit, etc. Bon, après, il y a toujours de la place, il y a peut-être un combat à All Out, on a peut-être une place encore pour un combat. Viteuf. J'ai dit Jack Evans contre Orange Cassidy, puisque oui, la Hardy Family, ça c'est extraordinaire. Vous croyez que c'était fini? Ouais, non. Eh ben non. Jack Evans, Orange Cassidy et l'élite, les Young Bucks et les Good Brothers, équipe de champions, face aux Challengers, les Lucha Brothers, et face au Jurassic Express dans un gros 4 contre 4. En vrai, t'enlèves les Jobbers, c'est quand même des champions, peu importe quel membre de l'élite. Oui. Non mais voilà, l'élite contre Jurassic Express, Lucha Brothers. Ça va être très très. S'ils cool. font un spot fest de 15 minutes, ouh, je suis preneur. Et en opener, cette fois-ci. Oh oui, s'il vous plaît. J'aime bien les ratings de ce Dynamite. Alors, avant de faire les ratings de Dynamite, je vais faire les ratings du Rampage Last Dance, si tu le permets. Parce qu'il y a des stats. Attends, on le fera pour le, juste avant de parler de Rampage. D'accord, parce qu'il y a des trucs à dire. Bon, en fait, je commence par les ratings Dynamite, en fait. Parce que, Oui, mais ça. De toute façon, fais pas quart d'heure par quart d'heure sur le Rampage. Il n'y a pas quart d'heure par quart d'heure. Oui, bah oui, de toute façon, il n'y a que 3. Voilà, c'est juste parce qu'il y a des faits importants à noter. Bon, je vais commencer par Dynamite. Non, mais vas-y, balance l'audience de Rampage. J'avais oublié qu'il n'y avait pas le quart d'heure. Last Dance, alors c'est exceptionnel. Je ne vais pas faire semaine après semaine les ratings de Rampage parce que, bah, vu qu'on ne l'a pas de manière instantanée, ça ne sert strictement à rien. Mais à noter que les ratings de Last Dance, le show a eu 1 129 000 téléspectateurs avec un 0.53 chez 18-49. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le quart d'heure numéro 1 avec le retour de Punk et sa promo, qui a fait 1.70 de ratings.
chez les 18-49 à Chicago, avec comme moyenne du show 1.30, juste dans le quartier de Chicago. Enfin, dans l'état de l'Illinois, pardon. Le ratings du show, c'est 1,2 million. Oui, mais là, ça fait 1.70 de rating juste pour le segment. Et 1.70 de je crois que c'est 2 millions et quelques. Rien que ça. Le Q1, dans l'ensemble des US, ça fait 1.4 million viewers avec un pic chez les 18-49 de 0.72, ce qui représente 930 000 téléspectateurs. La démo, qui, à titre de comparaison, est bien plus forte que le dernier Raw et SmackDown dont on a les ratings, qui ont fait respectivement 0.64 et 0.57. Non, mais c'est juste impressionnant. Le 1,2 million, donc quelle l'audience à retenir, l'audience globale de Rampage, de The First Dance, on est en deuxième partie de soirée. Voilà. C'est-à-dire que c'est la meilleure audience de l'histoire de l'Elite Wrestling. Même le premier Dynamite, qui est la meilleure audience en termes de nombre vu, en termes de personnes qui étaient devant leur télé. Mais la meilleure audience de l'histoire de l'Elite Wrestling, c'est celle-ci. Pourquoi ? Parce que là, on est en deuxième partie de soirée. Je vous rappelle. Et c'est la première fois qu'un show de catch fait un rating de 1 point quelque chose dans les 18-49 depuis bien longtemps aussi. Et je vous rappelle que les Dynamite qui étaient en deuxième partie de soirée le vendredi soir, on était aux alentours de 500-600 000. C'est-à-dire que 400 000 même. Pour tous ceux qui pensaient que CM Punk n'était pas un draw, CM Punk est un draw. Et ce sera confirmé avec les audiences de Dynamite. Ouais, les audiences de Dynamite. Le show a fait 1 172 000 téléspectateurs avec un 0.48 chez 18-49. Une hausse par rapport à la semaine dernière qui avait fait comme rating 775 000 téléspectateurs avec un 0.35 chez 18-49. Pour le rating quart d'heure par quart d'heure. Le quart d'heure numéro le quart d'heure avec le plus haut rating, le quart d'heure numéro 1, où il y avait l'Orange Cassidy contre Matt Hardy et la promo de Malakai Black pour but, le main event, qui a fait 1 241 000 téléspectateurs avec 674 000 viewers chez 18-49. Le pire quart d'heure est le quart d'heure numéro 8, où il y avait justement ce Malakai Black contre Brock Anderson, ainsi que son post-match, qui a fait 1 088 000 téléspectateurs avec 564 000 viewers qui font partie des 18-49. Le show n'est jamais passé en dessous des 1 million, malgré la qualité de la carte. C'est beau, parce que il y a une baisse lente. Alors, pour vous dire, c'est monté jusqu'au segment de Punk. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait jusqu'au segment de Punk. Puis à partir du segment de Punk, ça a commencé à chuter. Mais il n'y a pas eu de grosse chute d'un coup, comme ça. Ça a baissé vraiment petit à petit. Du segment de Punk jusqu'au segment final, on a perdu environ 200 000 téléspectateurs. Ça va. Parce que du coup, bah, c'est resté au-dessus des 1 million. Et avec quand même cette qualité de carte-là, je pense qu'ils auraient dû sincèrement, et je suis d'accord avec Fred qui me l'a notamment dit en privé, ils auraient dû faire une bien grosse carte. Ils auraient dû faire une bien plus grosse carte pour ce Dynamite-là, parce que les fans seraient restés, et au contraire, ils auraient même augmenté, je pense. Ça fait un très bon rating, mais je pense qu'il y avait largement place pour faire mieux. Je crois qu'ils ont fini premier de. Ils ont fini premier comme programme dans du câble. Mais voilà, tu dis qu'ils pouvaient faire mieux. C'est dommage. C'est je trouve dommage là-dessus. Mais ça reste quand même un excellent rating pour AEW Dynamite, évidemment. AEW Rampage, troisième épisode diffusé. Vendredi soir, premier Rampage tape de l'histoire qui commençait. Avec la finale de ce mini tournoi pour déterminer les challengers des Young Bucks pour All Out dans un Steel Cage match, les Jurassic Express face aux Lucha Brothers, un combat d'un niveau extraordinaire qui va rattraper on n'a pas eu de combat vraiment marquant sur ce Dynamite. Ce combat à Rampage était vraiment extraordinaire. 12 minutes de catch parfait de A à Z, un spot fest parfaitement exécuté de A à Z. Même Luchasaurus a été pertinent. Je trouve que Luchasaurus est né dans la meilleure forme de sa carrière. C'est un combat évidemment à voir. Ouais. Et non, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. T'as mis combien? J'ai adoré, j'ai mis 4 écarts. J'ai trouvé que c'était. Ouais, j'ai mis 4 écarts. C'est trop bien comme spot fest. J'adore les spot fest pour commencer les shows. Celui-là, il était parfait. Comme spot fest pour commencer un show. Nickel. Et évidemment, Ray Phoenix est inhumain. Il a été, clairement le MVP. Vraiment, je pense que sans lui, ce combat, c'est une toute autre affaire. Il était partout pendant ces 12 minutes 15. Il était absolument partout. Il a été
enfin vraiment, je l'ai trouvé encore une fois extraordinaire au-dessus du monde, mais particulièrement. T'imagines, genre il y a quelques années, on disait que Phoenix allait être plus, meilleur que Penta, tu vois d'ailleurs. J'aurais jamais cru que Ray Phoenix, à l'époque où je suivais encore Old Underground, que il allait être meilleur entre guillemets que Penta. Jamais de la vie. Non mais c'est fou, putain, c'est fou ce qu'il est en train de, qu'il est en train de réaliser, parce que là vraiment sur ce match c'est clairement le MVP, c'est, enfin c'est fou ce qu'il a réalisé quoi. Grosse mention, voilà, c'est un combat vraiment génial. Et donc ce seront les Lucha Brothers qui iront affronter les Young Bucks dans ce Steel Cage match. Ça va être absolument fou, on a très hâte. Post-match, les Young Bucks vont venir faire le stare-down, le face-off avec les Lucha Brothers. Mais les Lucha Brothers et les Jurassic Express vont ensemble dégager tout le monde. Et donc ça mènera à ce combat à Dynamite, le 4 contre 4, les Good Brothers, les Young Bucks de l'élite, face aux Jurassic Express et aux Lucha Brothers. On a une vidéo où on revient sur les débuts de CM Punk et on a un petit avant-goût de CM Punk contre Darby Allin pour All Out. Miro, le champion TNT, vient au ring et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de défoncer le feu du sol au niveau de la rampe. Ils arrivent dans le ring, Miro il prend le micro, il dit à Fuego « face me like a man ». Il dit t'es pas un homme donc je vais t'enlever ton masque. Il enlève son masque, mais Eddie Kingston va venir. Il a le micro en main. Et il fait oh vas-y flemme. Et il va se battre. J'ai beaucoup aimé ce truc là. J'ai bien aimé. Voilà la petite brawl entre les deux et c'est enfin officiel pour All Out. Miro défendra le titre TNT contre Eddie Kingston. Ça va pas être bien dans le ring. Il y a pas de stipulation en plus. Je sais pas mais comment. Mais il y a enfin du build-up. Enfin. Oui, mais j'espère qu'à Dynamite ils seront là quoi aussi parce que oui, un échange de promo au moins quoi. J'espère au moins qu'il y aura un échange de promo entre les deux parce que je pense que ça peut être bien. Miro il est plutôt pas mal au micro là depuis qu'il arrête de gueuler comme un guignol et que qu'il prend le micro et qu'il est là. Et qu'il parle de Dieu. Ouais c'est ça, non mais depuis qu'il est plus posé, depuis qu'il est plus calme et que il a quand même cette rage, je trouve que c'est très pertinent. Donc j'aimerais bien voir un échange de promo entre les deux, mais surtout les voir à Dynamite en fait, parce que pour l'instant tout ce qu'on a vu de ce build-up à Dynamite, c'est Miro qui dit Eddie Kingston, j'ai tiré un nom au hasard et c'est tombé sur toi. C'est tout ce qu'on a eu pour l'instant à Dynamite, qui est le show numéro 1, faut le rappeler. Donc j'espère qu'au Dynamite qui sera le dernier avant la août, il y aura quand même un truc, je mise et j'espère sur un échange de promo. Tay Conti contre le Lapin. Bon, le public s'en bat les couilles, c'est chaud. Je t'avouerai que moi aussi, j'ai pas vu le match. Ah ouais, non mais le public dormait, c'était aberrant. Je crois que Tay Conti contre le Bunny s'était déjà affronté sur un Dynamite et que c'était déjà affronté, ouais. Je crois que c'était pas si mal la première fois. Là... Je t'avouerai que j'ai été sur mon phone durant ce match. Ouais. Non mais là, le public dormait et pour une bonne raison, c'était pas bien dans l'exécution, c'était voilà bon, c'était le Bunny quoi. Bon par contre quel plaisir de revoir Tay Conti enfin à la télé, je comprends pas qu'elle ait été absente de la télévision pendant si longtemps. Ouais mais par contre lorsque je vois ce qui s'est passé au niveau du résultat, bon je suis un peu moins fan tout d'un coup. Penelope Ford va venir déconcentrer Tay Conti et particulièrement l'arbitre. Le blade, la lame, The Blade va en profiter pour donner son point américain à sa femme, au Bunny, et le Bunny va frapper Tay Conti avec d'une horrible manière. C'était extrêmement mal exécuté pour remporter le combat. Donc Tay Conti qu'on n'a pas vu à la télé. Alors je vais vous donner putain la stat. Je vais vous donner la stat depuis combien de temps on n'a pas vu. Alors il catcha à Dark hein, Tay Conti, mais la dernière fois qu'on a vu Tay Conti à la télé, je vais vous dire ça tout de suite. Hop, c'était bah, son match de championnat contre Hikaru Shida le 21 avril, qui était un excellent combat. Ouais. Et c'est comme ça qu'on la remercie d'avoir sorti la meilleure prestation de sa carrière. 21 avril, donc on est sur un bon 4 mois sans voir Tay Conti à la télé. 4 mois, vous vous rendez compte, 4 mois.
et 4 mois de Nyla Rose. Ça me dépasse. La meuf, elle sort le meilleur combat de sa carrière. Et pendant 4 mois, on la voit pas. C'est même pas ça, tu vois, genre, c'est une très bonne catcheuse de base. C'est juste une très bonne catcheuse de base. Pour vous dire, si je pense ma catcheuse préférée chez Ultra Wrestling, si... Oh, quoique. Ouais, non, c'est peut-être... Ouais, non, c'est ma catcheuse préférée chez Ultra Wrestling. Genre, les gars, faites un minimum. Genre, elle est bien meilleure dans le ring que... Le Bunny, par exemple. Non, mais comment on la remercie? Comment on la remercie? Avec une défaite contre le Bunny en 4 minutes 30. Mais alors, c'est pour. On sait très bien que c'est pour mettre de la hit. C'est pour mettre de la hit sur le Bunny, Penelope Ford pour la question Battle Royale et pour que Tay Conti elle élimine les deux lors de la question Battle Royale. Évidemment, mais non, vous faites ça à ça Dark. Ça arrive pas, c'est un scandale. Oui, là, ouais, mais faites ça à Dark. Tay Conti, vous la faites gagner à Rampage. Et putain, mais les gars, 4 mois sans la voir à la télé pour ça, quoi. Sans déconner. On a dans le public, je sais pas si c'était maintenant, mais j'ai oublié de le dire, Giannis fucking Antetokounmpo. Oui. Giannis Antetokounmpo, on est à Milwaukee, star des Bucks de Milwaukee, gagnant de la dernière saison de NBA. Giannis Antetokounmpo, les gars, pour ceux qui connaissent pas, énorme star d'NBA, MVP, je sais plus de quelle saison, là, d'une des, je crois, 2019-2020, je sais plus. L'un des meilleurs joueurs de basket de la planète. Tout simplement. Je ne sais combien de fois dans le All-Star Game. Enfin, c'est ouf. Et Giannis, il est là. Il était déjà venu lors d'un Raw il y a longtemps. Il y avait une photo de lui qui tournait. C'est ouf. En plus, on est à Milwaukee, donc c'était trop bien. C'est vraiment c'est peut-être la plus grande star de la ville, quoi. Faut se rendre compte de ça. Giannis, les gars, c'est un truc de fou. Moi qui commence vraiment à suivre la NBA. Il est extraordinaire, c'est vraiment la star des Bucks de Milwaukee. Donc ça faisait plaisir de le voir. Il a eu un petit truc hors caméra, un petit angle avec l'introduction de Tony Khan. Je sais pas si tu l'as vu passer, j'ai trouvé ça hilarant. Oui, oui, je l'ai vu, ouais. Non, mais en fait, c'est que. Non, mais Tony Khan, alors, c'est pas un handicap, mais. C'est juste dans entre guillemets, ses gènes. Je sais pas. C'est pas réellement une maladie en soi, mais voilà, il a vraiment du mal, socialement parlant, entre guillemets, parler en public, tout ça, c'est vraiment pas son truc. Je sais pas s'il avait mentionné si c'était une maladie ou non, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire une connerie. Mais ouais, du coup, genre, il agit comme ça en public et ça me fait à chaque fois rire, parce que du coup, en fait, lorsqu'il agit comme ça, en fait, c'est tu vois qu'il l'aime et qu'il est passionné par un truc. C'est ça, en fait. Donc, ouais. J'ai vu, ça fait rire, mais je me dis, putain, c'est cool. C'est cool. Je préfère encore avoir un président, tu vois, un boss qui agit de cette façon-là. Mais tu vois que c'est de la vraie passion qu'un Vince McMahon ou un Nick Khan, tout simplement. Donc, oui, bon, la comparaison, elle n'a pas lieu. Je pense que tout le monde préfère. Ouais. Le main event de cette édition de Rampage, Kenny Omega et Brandon Cutler face à Christian Cage et Frankie Kazarian. Parce qu'on avait oublié de le dire, hein, Frankie Kazarian, il est venu faire le save. Si, je l'ai dit. Tu l'as dit ? Oui. Je t'écoute pas. Christian Cage. C'est pas la première fois que tu me dis ça. Christian Cage et Kaz, j'aime beaucoup ce duo. Parce qu'on est sur deux mecs qu'on... Parce qu'on est sur du old school TNA aussi, et ça, moi, ça me fait plaisir. On est sur deux mecs qui ont une carrière en solo, mais bon, le gros de leur carrière, c'est en équipe, mais qui ont aussi une belle carrière en solo. Kaz, ouais, je vous conseille d'ailleurs, justement, les Christian Cage contre Frankie Kazarian chez TNA, notamment un ladder match. Je me rappelle plus, c'était dans quel pay-per-view TNA, ils avaient sorti un ladder match qui était super. Je vous le recommande, d'ailleurs. Mais donc, moi, si après la feud avec Omega, on a une équipe Cage-Kaz qui se met en ouais, grave. Route, ça me super. Plairait vraiment bien, parce qu'on est sur deux vétérans qui se connaissent parfaitement. Donc ça me plairait beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce main event que j'ai trouvé très fun avec ouais. Omega et Christian. Brandon Cutler, il m'a tué. Ouais. Brandon Cutler, il a été hilarant, quoi. Mais vraiment, j'ai trouvé... Putain, mais alors, il va rentrer dans le ring et il va faire n'importe... Il va danser avant de faire un elbow drop. Enfin, vraiment, c'était très, très drôle. C'est vraiment, bravo Brandon. Extrêmement drôle. Puis surtout, en fait, tu ressentais que c'était un match juste pour faire plaisir aussi la foule, dans le sens où c'était certainement le dernier match à soi après tous les Dark Elevation,
tout le Dynamite, tu vois, c'était vraiment pour mettre les gens heureux. Alors non, il y a que Dark Elevation qui a été tape. J'avais cette impression. Oui, bon, Dark Elevation. Dark n'a pas été tape. Donc du coup, ouais, Dark, voilà. Je pense, va être tape. Du coup, là, le Dark de mardi soir devrait être dans cette nouvelle arène. Techniquement. Du coup, j'avais... Non, je crois que le Dark, il y a moyen que ce soit... Parce qu'il me semble, j'avais vu pour le United Center, c'était, je crois, une show United Center, il y avait encore des trucs qui n'étaient pas diffusés, donc peut-être que il y aura encore des trucs pour Dark qui n'est pas dans un studio, on va dire. Mais ouais, pour revenir vite à ce match, oui, ça se voit clairement que c'est un match pour mettre les gens heureux avant qu'ils retournent chez eux, quoi. Ça buildait le match pour All Out, mais c'était surtout là pour être fun, pour que vous passiez du bon temps, et j'ai vraiment eu cette sensation pour ce combat là voilà, c'est j'ai mis 3, mais en vrai, genre, des matchs comme ça, je préfère même pas y noter, parce que j'ai juste passé un bon moment et c'est tout ce qui m'importe. J'ai vu sur Cage Match, par contre, les gens étaient vraiment sévères avec ça. Ouais, non, moi j'ai trouvé ça parfait, non, dans ce qui a voulu être fait, prendre Don Cutler, trop bien. Non, mais Brandon Cutler, c'est vraiment... Moi, c'est le stand-out de ce combat. Bah, tu sais, le pire de ça, c'est... Genre, j'ai vu quelques matchs de lui en tant que enhancement talent des Bucks. Genre, j'ai vu cette descente du coude. Parfois, il fait des descentes du coude en dab. Ouais. J'ai envie de le tuer à chaque fois qu'il fait ça, parce que je déteste le dab, mais c'est tellement drôle, parce que ça rentre dans le personnage. Mais là, par contre, next level en termes de comedy wrestling. C'est super. Cette édition de Rampage, qui était meilleure que Dynamite, clairement. Oh ouais, de loin. Mais de non, loin. Mais pour revenir, on n'a pas parlé de ce Dynamite en fait dans sa globalité, mais c'est vrai que on est content pour les ratings, mais c'était pas bien, quoi. Surtout qu'on est à 2 semaines de All Out. Moi, je suis vraiment, alors, pour parler sincèrement, je suis vraiment énervé de la carte de All Out. On n'a pas parlé aussi, mais Britt Baker contre Chris Statlander, c'est officiel. Mais je suis vraiment saoulé en fait de cette carte de All Out. Paul White, Cody Marshall, même si ça va pas durer longtemps, je trouve que ça n'a pas sa place. Moxley, Kojima, encore moins. MJF, Jericho, pour la 16e fois, c'est bon. J'ai plus envie de voir ça, alors qu'on parle d'MJF et de Chris Jericho. Je suis saoulé. Et j'ai un peu peur. Maintenant, la carte est quand même très alléchante. Oui, t'as aussi le reste de la carte. Hein. Et après, bon, t'as aussi Miro, Eddie Kingston. T'as Miro, Eddie Kingston aussi. Attention, parce que vraiment, les gars, il y a peut-être la moitié des matchs où ça va être complexe. Et c'est ça qui... J'ai peur aussi pour Pac Andrade, en toute honnêteté. Ouais, on en a parlé aussi, ouais, mais Pac Andrade, on en a parlé j'ai les dernières semaines. J'ai un tout petit peu peur. Et Andrade qui a fait une vidéo package. D'ailleurs. Oui, alors, j'ai qui oublie plein de choses. N'hésitez pas à l'insulter. Écoute, c'est pas ma faute s'il n'a pas été récap dans righteousensor.com. N'hésitez pas à l'insulter. Non, mais je te conseille de prendre les trucs de 411. C'est très bien ça. 411. Donc oui, bon, de toute façon, ça n'avance à rien, comme d'habitude. Mais oui, Pac Andrade, ça fait peur aussi. La carte de la Hout, elle est belle, mais c'est pas la plus belle carte qu'on ait eue de Wii Wrestling. Il y a beaucoup d'absents, et en fait, beaucoup de pourquoi c'est là et pourquoi... Bon, on verra la semaine prochaine. On fera une mini preview à la fin de la Hout avec la carte complète. À la fin de Dynamite, je veux dire. Est-ce que faire une mini preview à la fin de All Out, bon, on saura à peu près tout ce qui s'est passé, quoi. Non, on fera une mini preview à la fin de non, une mini preview évidemment la semaine prochaine après avoir parlé de Rampage, mais en tout cas, moi, la carte, bon, les gars, il y a peut-être la place pour un match, mais je vois pas, peut-être autour de la Team Taz. Parce que bon, il y a beaucoup d'absents, il y a beaucoup. Après, il y a pas encore, enfin si, non, j'allais dire, il y a pas encore de buy-in, mais si, il y a la Casino Battle Royale, c'est vrai. Bon, on verra si. Moi, c'est une carte qui me hype pas. On en reparlera la semaine prochaine pour faire cette mini preview à la fin du pod. On se dit à la semaine prochaine, même heure pour une grosse semaine. On va essayer de se hyper quand même, parce que c'est la semaine de la lutte. Une grosse semaine, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine donc pour le pod comme tous les dimanches 18h30 et on se retrouvera ensuite pour le hors-série spécial All Out 2020. N'hésitez pas à réagir sur l'hashtag AEWPod dans les commentaires, on vous lira en début de podcast la semaine prochaine. Moi, je vous dis à la prochaine, bonne semaine à tous. Allez, on essaye de se hyper pour All Out. Let's go.